aux États-Unis, de violents extrémistes amorcent une campagne de terreur près de 20 ans avant l'attentat à la bombe d'Oklahoma City. Ils dévalisent des banques, sèment des bombes et détruisent tout sur leur passage. Et quand ils tuent d'innocentes victimes, les experts dans la lutte contre le terrorisme du FBI font équipe avec la police d'État pour arrêter ces violents extrémistes avant qu'ils ne passent de nouveau à l'action. L'autoroute 80 est une route isolée du nord du New Jersey. Le 21 décembre 1981, le patrouilleur Philippe LaMonaco de la police d'État obligea à se ranger un automobiliste qui avait enfreint le code de la route. Le conducteur semblait nerveux. LaMonaco constata alors qu'il était armé. Un automobiliste aperçut la voiture de patrouille abandonnée et s'arrêta. Il était intrigué par la présence de cette voiture vide. Dans la neige, il aperçut le corps du patrouilleur inerte et couvert de sang. Il se servit de la radio du véhicule pour appeler à l'aide. State Trooper Barracks, go ahead. I'm here on I-80. I've met a patrol car. What's your name, sir? Les agents en service au quartier de la police d'État à Blairstown furent étonnés d'entendre la voix d'un civil sur leur radio. Stay in the car, sir. We're on the way. Toutes les unités disponibles répondirent à l'appel. Charles Coe est major au sein de la police d'État du New Jersey. Presque tous les patrouilleurs étaient alors en service. Ils ont répondu à l'appel. On a commencé par envoyer tous les patrouilleurs des autoroutes. On est toujours conscient du danger de ce travail, mais on ne pense jamais que ça peut nous arriver. On n'aurait jamais cru que cela arriverait à l'agent LaMonaco. LaMonaco était pratiquement une légende au sein du service. En arrivant sur la scène, le lieutenant Richard Ryan ne pouvait croire que son collègue avait été abattu. Philippe avait d'abord été touché à la poitrine. Il portait un gilet pare-balles, mais l'impact du projectile lui a fait tourner le corps un peu et la balle suivante l'a atteinte à l'aisselle et elle s'est dirigée droit au cœur. C'est ce coup de feu qui l'a tué. Les enquêteurs constatèrent que l'arme de LaMonaco était vide. Il avait donc tiré à 6 reprises. Le patrouilleur n'était pas mort sans se défendre. Le lieutenant John Mandress ratissa la scène du crime et y trouva d'autres indices. J'ai trouvé des fragments de verre et des douilles de projectiles de 12 mm. Ces indices étaient dans un banc de neige et un peu partout autour. À partir de la taille et du nombre de douilles de projectiles, Mandress établit que l'arme du crime était un pistolet semi-automatique d'un calibre de 9 mm. Il se mit à la recherche de l'arme, mais en vain. Des techniciens en soins médicaux emportèrent le corps de Philippe LaMonaco à l'hôpital au moment où ses 250 collègues se mettaient à la recherche de son meurtrier. Les patrouilleurs de la police d'État du New Jersey et de la Pennsylvanie arrêtèrent les automobilistes pour les interroger. Un homme se rappelait avoir vu deux individus quitter les lieux.
ils étaient à bord d'une Chevy Nova 1977, immatriculée au Connecticut. Les policiers établirent des postes de contrôle tout le long de la rivière Delaware. D'autres agents ratissèrent l'autoroute et les routes secondaires à plusieurs kilomètres à la ronde, à la recherche des meurtriers. La réponse a été extraordinaire. Les gens sont venus de partout pour nous aider et nous donner des pistes afin qu'on retrouve la voiture et les types responsables de ce meurtre. Quelques heures plus tard, un inspecteur de l'escouade antidrogue et un patrouilleur de l'État trouvèrent la Nova. La voiture avait été abandonnée sur une route rurale à 5 km de la scène du crime. Les enquêteurs trouvèrent l'étui d'une arme à feu vide. Ils fouillèrent le véhicule. Ils constatèrent qu'il était criblé de trous de balles. On avait tiré sur le capot et le pare-brise, notamment du côté du passager, ce qui indiquait que l'agent avait fait feu sur le passager. Les enquêteurs supposaient que c'était vraisemblablement ce passager qui avait abattu Philippe Lamonacan. Le conducteur, lui, était si pressé de se débarrasser de ce véhicule qu'il avait laissé un précieux indice derrière lui. Sur le tableau de bord, on pouvait voir le permis de conduire de certain Barry Easbury du Connecticut. Pour l'heure, le nom et l'adresse d'Easbury constituaient le seul lien avec le meurtrier de la Monaco. Ce soir-là, j'ai quitté les lieux avec un patrouilleur et nous sommes directement allés au Connecticut pour explorer cette piste. Nous nous sommes rendus à l'adresse du conducteur située au centre-ville de New Haven. L'adresse sur le permis d'Eastbury était celle d'un hôtel et non d'une maison privée. C'était une fausse piste. Plus tard, au cours de l'avant-midi, on a rencontré des agents du FBI qui nous ont appris qu'ils s'étaient rendus au même hôtel quelques mois plus tôt, dans le cadre d'une enquête sur un certain Raymond Luke Levasseur. Levasseur faisait partie de la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Les agents croyaient qu'il était le chef du groupe d'extrémistes Sam Melville Jonathan. On soupçonnait ce groupe responsable d'une série de vols de banque et d'attentats à la bombe. On se demandait maintenant si ce groupe n'était pas aussi responsable du meurtre du policier Philippe Lamonaco. Les agents envoyèrent le dossier de Levasseur au labo de l'État du New Jersey pour faire comparer ses empreintes digitales à celles relevées dans la Nova. Malheureusement, aucune empreinte ne correspondait aux siennes. C'était incompréhensible. Ryan examina de plus près la vie de recherche de Levasseur. En le relisant, j'ai vu en petit caractère la dernière ligne où l'on pouvait lire « Peut-être accompagné par Thomas William Manning ». Les agents du FBI obtinrent alors le dossier de Manning. La photo sur l'avis de recherche était celle de l'homme qu'ils connaissaient sous le nom de Barry Easbury. Les experts purent identifier les empreintes de Manning dans la Nova, confirmant ainsi que le nom de Barry Easbury était le pseudonyme de Thomas Manning. Si Manning était mêlé au meurtre de Philippe Lamonaco, les enquêteurs avaient affaire à un dangereux fugitif. Selon les informations recueillies par le FBI, Manning avait rencontré Levasseur en prison où les deux hommes étaient écroués pour possession illégale de stupéfiants et d'armes et pour vol. Ces deux hommes avaient alors formé le groupe Melville Jackson, comme nous le raconte l'agent spécial Leonard Cross. Ils connaissaient bien les tactiques de guérilla, ayant lu plusieurs ouvrages à ce sujet. Ils avaient étudié toute la documentation extrémiste de gauche publiée pendant les années 60 jusqu'au début des années 70. Le groupe avait commencé son règne de terreur en revendiquant 7 attentats à la bombe au Massachusetts et dans l'État de New York entre 1976 et 79, notamment ceux de 2 palais de justice. Celui de Middlesex County à Lowell au Massachusetts et celui du palais de justice de Suffolk County à Boston, où 20 personnes avaient été blessées. Selon ce qu'ils laissaient dire sur eux, les membres du groupe de Melville Jackson ciblaient les institutions et le monde capitaliste en guise de protestation contre les politiques injustes du gouvernement et des entreprises.
l'agent spécial Ed Peterson du FBI enquêtait sur ce groupe extrémiste. Je crois qu'ils se percevaient comme les sauveurs des opprimés et des nécessiteux. Mais ils n'ont jamais rien fait pour venir en aide aux démunis. Tout ce en quoi ils croyaient, c'était la violence. Les agents soupçonnaient le groupe de financer ses activités par des braquages de banques, des opérations minutieusement planifiées, qu'ils exécutaient avec une précision militaire. Ces types n'étaient pas comme les criminels qu'on rencontre le plus souvent. Ce groupe organisé sillonnait la Nouvelle-Angleterre pour y commettre des crimes, dont le plus grave était le meurtre de l'agent La Monaco. La veille de Noël 1981, 2000 agents de police venus de plusieurs États assistèrent aux obsèques du patrouilleur La Monaco. Ce témoignage de soutien de leur part toucha profondément Donna, sa femme. J'étais ébahie de voir les voitures garées jusqu'à au moins 1 kilomètre de l'église. Ces voitures étaient celles des policiers venus assister aux funérailles. Philip La Monaco était l'un des patrouilleurs les plus respectés de tout le New Jersey. C'était vraiment un excellent patrouilleur. Et je crois que ce qu'il distinguait, c'était qu'il aimait profondément son travail et qu'il le respectait. C'était un des meilleurs. Les jeunes patrouilleurs l'admiraient. Il avait montré à plusieurs d'entre eux comment arrêter une voiture sur l'autoroute et y chercher des marchandises illégales. Le chef de police Clinton Pagano assura alors solennellement à Donald La Monaco que la police d'État du New Jersey ferait l'impossible pour traduire les meurtriers de son mari en justice. Je pouvais voir qu'il était sincère. Je savais qu'il disait la vérité, qu'il ferait tout ce qu'il faudrait. J'étais alors assurée que les coupables seraient arrêtés. Peu importe qui ils étaient, on les trouverait et on les arrêterait. Parce que Clinton me l'avait promis. Dans un immeuble municipal du même quartier, la police du New Jersey et de la Pennsylvanie travailla étroitement avec le FBI pour trouver les meurtriers du patrouilleur. L'escouade spéciale suivit des dizaines de pistes. Les experts en balistique interrogèrent les armuriers de la région pour savoir si l'un d'eux avait vendu des munitions de calibre 9 à un certain Barry Eastbury. Ils ont trouvé quelque chose à Stroudsburg, en Pennsylvanie, juste de l'autre côté de la rivière. 3 mois plus tôt, un certain Barry Easterly, et non Eastbury, s'était procuré des munitions de 9 mm chez un armurier de Stroudsburg. Le nom était trop ressemblant pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Si c'était les projectiles ayant servi à abattre le policier, l'intervalle de 3 mois entre l'acquisition de ces balles et le crime était un indice important. Cela nous poussait à croire que les coupables vivaient dans le secteur. Ils n'avaient pas fait que passer. On travaillait alors étroitement avec la police d'État de la Pennsylvanie et on l'a avisé de ce qu'on avait découvert. 2 jours plus tard, la police de ce même État reçut un appel assez particulier. Le propriétaire de maison à louer voulait loger une plainte. Un certain Charles Miller de Marshall Creek a appelé la police de la Pennsylvanie. C'était juste de l'autre côté de la rivière, dans le secteur de Stroudsburg. Miller possédait plusieurs propriétés à louer dans le secteur. Or, un chien avait été abandonné dans une de ces maisons. Il n'avait pas revu les locataires depuis près de 2 semaines. Selon Miller, cette maison était louée par un certain Barry Easterly. Une unité SWAT se rendit aussitôt à cette maison de campagne. On fouilla la maison pièce par pièce. L'occupant des lieux semblait être parti en vitesse, car il avait laissé derrière lui des vêtements, des photos personnelles et même son chien. Dans une pièce, les policiers trouvèrent de la documentation extrémiste et le croquis d'un fusil d'assaut AK-47. Dans une chambre, il y avait tous les outils de prédilection d'un extrémiste. On a trouvé toute une panoplie d'objets, des informations sur la façon de fabriquer une bombe et des éléments pour en faire. Les policiers trouvèrent également des munitions de 9 mm, soit le calibre du projectile ayant tué le patrouilleur Philip La Monaco.
ils en déduisirent que cette propriété louée constituait le repère où Thomas Manning, sa femme et leurs enfants vivaient au moment du meurtre de la Monaco. Les enquêteurs mirent la main sur des documents qui jetaient la lumière sur les opérations de ce groupe extrémiste. Apparemment, ils projetaient de dévaliser une banque d'Allentown en Pennsylvanie. On avait trouvé leur plan. On a aussi découvert un compte-rendu écrit d'un de leurs vols de banque où plusieurs policiers avaient été abattus. Ils avaient dû laisser derrière eux toutes ces choses parce qu'ils étaient partis en vitesse. Dans une autre chambre à coucher, le sergent Tom Evans trouve un carnet d'adresses. On a recopié tous les numéros de téléphone qu'il contenait. Il n'y avait aucun nom, seulement des prénoms, et pas d'indicatif régional non plus. Les policiers trouvèrent aussi la photo d'un homme qu'ils furent incapables d'identifier. Selon le propriétaire, l'homme de la photo dormait dans la chambre d'invité de Manny. Les occupants de la maison l'appelaient « Oncle David ». Les enquêteurs en vinrent à se demander si cet homme n'était pas le passager de Manning le soir de l'homicide et s'il pouvait avoir été l'auteur du meurtre de l'agent Philippe LaMonaco. Les recherches d'un tueur de policiers s'étaient transformées en une traque pour trouver un groupe de terroristes nationaux. Lors du raid d'une maison de campagne abandonnée en Pennsylvanie, on recueillit des indices importants, notamment une mystérieuse photographie et un carnet d'adresses. Celui-ci contenait des dizaines de numéros. Le sergent Evans de la police du New Jersey remarqua que ces numéros n'avaient aucun indicatif régional. Un patrouilleur m'a alors dit que cela ressemblait au numéro de la région de Boston. Le lendemain matin, nous sommes allés à Boston pour vérifier ces numéros et voir quelles informations on pourrait en obtenir. Le carnet contenait au moins 100 numéros de téléphone et à côté de l'un d'eux, il était écrit « Location ». C'était le numéro de téléphone d'une société de Boston qui louait des appartements. Les enquêteurs rencontrèrent le gérant de cette entreprise. Je lui ai montré la photo et il m'a répondu « Monsieur l'agent, je ne vois que rarement ces individus. D'habitude, ils me postent leur chèque. » Cela semblait être une nouvelle impasse. Les policiers jetèrent un autre coup d'œil au contenu du carnet d'adresses. Juste à côté du numéro de téléphone de l'agence de location, on avait écrit 275 $. J'ai alors demandé au gérant s'il avait beaucoup d'appartements à louer pour la somme de 275 $. Selon le gérant, un seul appartement avait été loué pour ce montant. Il était vacant et faisait l'objet de travaux de rénovation. Le locataire n'avait pas laissé sa nouvelle adresse. Le gérant m'a alors dit qu'on devrait parler à la petite amie du locataire. À 2 h du matin, les agents interrogèrent la petite amie. Elle refusa de leur révéler le nom de son petit ami, mais leur donna celui du beau-père du suspect. Le lendemain matin, le lieutenant Evans se rendit en banlieue de Boston pour interroger cet homme. En voyant la photo, il a dit « Mais qu'est-ce que Dickie a encore fait ?» Et j'ai dit « Dickie comment ?» Et il m'a dit « Dickie Williams ». On a contacté le poste de commandement qui a vérifié le nom du suspect, Richard Charles Williams, et constaté que les empreintes digitales qu'on avait relevées étaient les siennes. C'est ainsi qu'on a identifié ce deuxième suspect. Richard Williams était le passager de la voiture de Thomas Manning le soir du meurtre de Philippe LaMonaco. Cet extrémiste violent était maintenant recherché pour le meurtre d'un policier. Les autorités de la Nouvelle-Angleterre joignirent leurs efforts à ceux du FBI pour traquer Manning, Levasseur et Williams. L'agent spécial Ed Peterson fut chargé d'aider la police du New Jersey dans cette chasse à l'homme. Il était primordial pour le FBI et tous les autres services policiers d'examiner scrupuleusement tous les suspects et de passer leurs contacts à la loupe. On a essayé de se mettre à leur place. On voulait comprendre leur motivation et deviner où ils pouvaient être allés. L'escouade passa quelques heures à examiner tous les renseignements obtenus sur le groupe de Melville Jackson. Selon les dossiers,
les fugitifs se servaient fréquemment de pseudonymes pour cacher leur identité. Et ils échangeaient des informations par le biais de boîtes postales pour ne jamais avoir à divulguer leur adresse personnelle. On savait que la tâche à venir serait ardue, parce que ces types faisaient l'impossible pour cacher leur identité. En 1981, un homme entra dans le bureau du secrétaire municipal de Brattleboro, au Vermont, pour faire une demande plutôt insolite. Il voulait obtenir le certificat de naissance d'un enfant mort au début des années 50. La réceptionniste trouva la situation suspecte. Brattleboro étant une petite localité, elle connaissait la famille de l'enfant décédé. How you doing, sir? Do you have any ID on you? Is there a problem? No problem, sir. I just need to see your ID. Get on the ground, what are you doing? Get out now. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Plus tard, les policiers identifièrent l'homme comme étant Raymond Levasseur en relevant ses empreintes sur la voiture qu'il avait abandonnée à proximité de l'hôtel de ville. Il le soupçonnait d'avoir tenté de se forger une nouvelle identité en volant le certificat de naissance d'un enfant mort. En janvier 1982, le nom de Thomas Manning fut ajouté à celui de Levasseur sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. Les autorités se préparaient à accentuer la pression sur les suspects. 4 mois plus tard, l'agent John Markey du FBI se rendit sur la scène du hold-up d'une banque. 2 hommes cagoulés avaient volé 60 000 dollars dans une banque de Burlington, au Vermont. Selon l'agent Markey, la façon méticuleuse d'agir des braqueurs laissait croire qu'il pouvait s'agir du groupe de Melville Jackson. Les 3 individus sont entrés dans la banque tout de suite après la livraison d'argent par un fourgon blindé. Un homme se tenait debout à l'accueil alors que les 2 autres sont passés par-dessus le comptoir. L'un d'eux a pris l'argent dans les tiroirs et l'autre l'argent qui venait tout juste d'être livré. L'argent contenu dans les tiroirs contenait des sachets d'encre indélébiles. Ils se sont emparés d'une pile de billets. Mais quand on sort ces liasses de la banque, un détecteur électronique entre en fonction et en moins de 7 secondes, il provoque la dispersion de gaz lacrymogène dans l'air et l'éclatement des sachets d'encre rouge. Ils ont alors jeté environ 20 000 $ par la fenêtre parce que les billets étaient tachés d'encre. 2 mois plus tard, 3 hommes prirent d'assaut une banque de Syracuse dans l'État de New York et s'enfuirent avec un butin de près de 195 000 $. Leur modus operandi était pratiquement identique à celui du hold-up de Burlington, à une exception près. Ils n'ont pris que l'argent qui venait d'être livré par le fourgon blindé. Ils n'ont pas pris les liasses dans les tiroirs des caissiers. Ainsi, ils n'ont pas eu le problème des sachets d'encre. J'en ai déduit que nous étions aux prises avec les mêmes types que ceux du braquage de la banque à Burlington. On pouvait en conclure qu'ils avaient décidé de laisser derrière eux le contenu des tiroirs à cause des sachets d'encre. En à peine 2 mois, plus de 235 000 $ avaient été volés dans les banques de la région. Les autorités s'inquiétaient à l'idée que le groupe de Melville Jackson puisse se préparer à une nouvelle campagne de terreur avec tout cet argent en main. Le 16 décembre, la police de White Plains, dans l'État de New York, reçut un appel de détresse. Un inconnu avait appelé le journal local pour dire qu'il avait caché une bombe dans un immeuble à bureaux. Heureusement, au moment de l'explosion, on avait pu évacuer les quelques dizaines d'employés. La détonation fut si violente que toutes les fenêtres volèrent en éclats. En fouillant les lieux, les enquêteurs mirent la main sur un communiqué laissé par un groupe se faisant appeler le Front Uni de Libération, le UFF. Le groupe revendiquait l'attentat à la bombe. Les agents qui enquêtaient sur l'affaire reconnurent le logo du groupe. Ils avaient vu un croquis d'un logo semblable dans le repère de Manning. En comparant les 2 logos côte à côte, on a vite compris qu'il s'agissait de nos suspects. Pour nous, le Front Uni de Libération qui revendiquait l'attentat était en fait un nouveau nom pour les individus coupables du meurtre de la Monaco. Au cours de l'année suivante, l'UFF revendiqua encore 4 autres attentats à la bombe. Le 14 décembre 1983,
le groupe contacta la presse pour transmettre un message terrifiant. Il menaçait de détruire les bureaux d'un sous-traitant du ministère de la Défense dans Queens. Le groupe déclara avoir laissé une déclaration écrite dans une boîte aux lettres de Manhattan. Dans cette lettre, il dénonçait l'ingérence du gouvernement américain en Amérique centrale, dans les Caraïbes et au Moyen-Orient. L'escouade anti-bombe parvint à désamorcer deux bombes trouvées dans des mallettes. Trouver ainsi des bombes avant qu'elles n'explosent est un coup de chance, comme nous l'explique l'agent spécial John Markey. Les éléments utilisés pour fabriquer ces bombes étaient semblables à ceux des bombes du groupe de Sam Melville, Jonathan Jackson, lors des attentats des années 70. Par exemple, le type de réveil utilisé. On avait pratiqué un trou dans le cristal de quartz pour y insérer une vis en laiton. L'agent spécial Leonard Cross n'était pas trop familier avec ce mode de fabrication. Il avait enquêté sur les premiers attentats à la bombe du groupe dans les années 70. En février 1984, on lui confia la coordination de l'escouade responsable de la recherche des extrémistes. L'enquête sur ce groupe radical en était à sa huitième année. Les terroristes avaient toujours une longueur d'avance sur les autorités, en changeant régulièrement d'identité. L'agent Cross, appuyé par l'escouade du FBI, décida de tenter une nouvelle approche. On a essayé de bien définir tout ce qu'on savait d'eux. Où ils avaient vécu, où ils avaient posé des bombes, où ils avaient dévalisé des banques. On a commencé par tout indiquer ça sur un plan. Lentement, mais sûrement, on releva des constantes. Les activités du groupe étaient concentrées sur quatre États. New York, le Massachusetts, le Vermont et le Connecticut. Au printemps 1984, le FBI lança l'opération Western Sweep. Le but de cette mission, intercepter les dangereux fugitifs. En 1984, le FBI lança l'opération Western Sweep dans le but d'appréhender trois membres clés d'un groupe d'extrémistes violents. Les agents croyaient ce groupe responsable de plusieurs attentats terroristes au pays. En outre, la police du New Jersey soupçonnait l'un des suspects d'avoir aussi tué le patrouilleur Philippe LaMonaco. Des centaines d'enquêteurs avaient sillonné le territoire de prédilection du groupe. Quand les agents découvraient les repères du groupe, le FBI dépêchait des unités SWAT pour fouiller les lieux. Mais les fugitifs avaient toujours une longueur d'avance sur la police, comme s'en souvient l'inspecteur Richard Ryan. C'était contrariant de ne jamais arriver à les arrêter. Mais nous nous disions qu'aussi longtemps qu'ils continueraient à commettre ces crimes, plus grandes seraient nos chances de les appréhender. L'agent John Markey tenta de prévoir à quel moment les terroristes frapperaient. En se fondant sur le mode de vie très particulier des membres du groupe, il mit au point une théorie ingénieuse. On leur attribuait quatre vols de banque en 1982-83 dans le nord de New York, non loin de l'autoroute 90, entre Syracuse et Albany. Markey divisa le total de l'argent volé par le nombre de jours écoulés entre les vols. Il calcula ainsi que le groupe vivait sur un budget de $737 par jour. Par ce calcul, on pouvait prédire à quel moment aurait lieu le prochain vol. J'en ai déduit qu'ils dévaliseraient leur prochaine banque entre le 1er et le 14 juin 1984. Les prédictions de Markey s'avérèrent justes. Le 9 juin, le groupe prit d'assaut une banque de Norfolk en Virginie. Son mode d'opération était le même. Trois hommes entrèrent dans l'établissement, deux sautèrent par-dessus le comptoir. Ils tinrent en respect le personnel de la banque à la pointe de leurs armes. Ignorant les liasses d'argent liquide dans les tiroirs, ils s'emparèrent des sacs d'argent qu'on venait tout juste de livrer par fourgon blindé. Ils n'ont pas pris l'argent dans les tiroirs des caissiers. Ainsi, ils évitaient de se retrouver avec des sachets d'encre indélébiles et ne déclenchaient pas le système d'alarme.
les membres du groupe semblaient devenir de plus en plus astucieux à chaque nouveau braquage. Les enquêteurs avaient désespérément besoin d'une piste, si petite fut-elle, pour enfin pouvoir faire la lumière sur toute l'affaire. L'agent spécial Ed Peterson. Peu importe que les fugitifs soient très futés ou non, on sait très bien qu'ils finiront un jour par commettre une erreur. Au cours de l'été 1984, les fugitifs commirent enfin cette erreur. Le 4 août, le propriétaire d'une entreprise d'entreposage de Binghamton, dans l'état de New York, contacta le FBI. Un de ses clients ne le payait plus depuis 2 ans. En ouvrant l'espace d'entreposage pour vendre son contenu à l'encan, il avait trouvé des choses terrifiantes. Dans un espace loué, il y avait des ouvrages sur la fabrication de bombes et sur le maniement d'armes à feu. Il y avait de la documentation sur plusieurs entreprises et beaucoup de livres extrémistes ou marxistes. Les agents trouvèrent des diagrammes sur la fabrication de bombes. On y voyait une minuterie assemblée à l'aide de vis en laiton. Or, plus tôt au cours de l'enquête, les agents avaient découvert des bombes intactes assemblées exactement de la même façon. Cette bombe devait faire exploser plusieurs bâtons de dynamite à l'aide d'une simple charge électrique. Cette conception caractéristique établissait un lien entre Levasseur et son groupe et plusieurs attentats à la bombe commis partout en Nouvelle-Angleterre. L'espace loué contenait des centaines d'indices que les enquêteurs devraient examiner, même s'ils étaient parfois difficiles à déchiffrer. On a recueilli une pile de magazines qui semblait n'avoir aucune valeur à première vue. Mais une adresse sur un vieux catalogue de semences permit aux enquêteurs de tomber sur un nouveau nom, Jack Horning. On se rendit à l'adresse de sa maison à Ansonia, au Connecticut. Selon des voisins, Horning avait déménagé avec toute sa famille quelques années plus tôt. Le patrouilleur assigné à cette affaire croyait se retrouver encore dans une impasse. Mais il a continué d'interroger les voisins du suspect, et quelques maisons plus loin, il est tombé sur la gardienne d'enfants des Horning. L'adolescente se rappelait bien les Horning. Elle déclara au patrouilleur que Mme Horning était une mère comme toutes les autres et que les enfants étaient bien élevés. Pendant tout le temps où elle avait travaillé pour les Horning, il n'était rien arrivé d'anormal. Puis elle se souvint d'un détail particulier. Un jour qu'elle était sortie avec Mme Horning, elles avaient eu un accident d'auto. Se fiant à son intuition, le patrouilleur suivit cette piste et consulta la régie des véhicules du Connecticut. Il ne trouva aucun accident impliquant une Mme Horning, mais il y avait un rapport d'accident qui avait eu lieu au même endroit et le même jour. Ce qui nous a aidés, c'est qu'on avait noté le nom de la gardienne qui était passagère du véhicule accidenté. Le nom de la conductrice n'était pas Horning, mais bien Himes. Le permis de Judy Himes était maintenant périmé, ayant été remplacé par un permis de conduire de l'État de New York en 1980, puis remplacé de nouveau par un permis de conduire délivré en Ohio. Selon la régie des véhicules, ce dernier permis était toujours actif. Le nom de Judy Himes, de même que son adresse à Columbus, fut acheminé au sergent Tom Evans. J'ai alors contacté la police de Columbus et j'ai demandé qu'on me dise ce qu'il y avait à cette adresse. On m'a répondu que c'était une boîte postale. Cela nous indiquait que c'était bien nos suspects, car cela correspondait à leur façon de procéder. Ces types ne recevaient jamais leur courrier à la maison. À Columbus, le FBI loua une maison en face de la boîte postale. De là, les agents pourraient filmer les lieux. Cette boîte postale était accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il serait difficile de la surveiller. Le 3 novembre, 3 semaines et demie après le début de la surveillance, une femme vint ouvrir la boîte postale. Les enquêteurs l'identifièrent comme étant la femme de Raymond Levasseur. C'était la première fois en 10 ou 12 ans que les autorités pouvaient voir ces gens.
Vous pouvez donc vous imaginer le niveau d'adrénaline de nos agents. La femme du fugitif constituait le seul lien entre les terroristes et les forces de l'ordre. Plutôt que de procéder à son arrestation, les agents la prirent en filature, en espérant qu'elle les conduirait à son mari. En 1984, le FBI et une escouade spéciale étaient à la recherche d'un groupe de terroristes. Ces violents extrémistes étaient soupçonnés d'une série de hold-up et d'attentats à la bombe, en plus du meurtre d'un patrouilleur de l'État du New Jersey. Les enquêteurs avaient retrouvé la trace du groupe en fouillant un espace d'entreposage au Connecticut, ce qui les mena à une boîte postale à Columbus, en Ohio. Après une décennie, leur seule piste vers les terroristes était la femme du leader Raymond Levasseur. Les agents la prirent en filature après qu'elle eut recueilli son courrier à la boîte postale. Ils savaient que, comme le reste du groupe, la femme de Levasseur était passée maître dans l'art de cacher ses traces et qu'elle pourrait s'apercevoir qu'elle était suivie. Ils prirent donc soin de rester à distance en la faisant surveiller par voie des airs au cas où elle leur échapperait. Elle a emprunté et quitté l'autoroute à plusieurs reprises, en s'arrêtant, en regardant tout autour d'elle, en prenant aussi les routes secondaires. Ça a été difficile. 2h30 plus tard, la suspecte s'arrêta devant une maison de Deerfield, en Ohio. Le patrouilleur Richard Tao surveilla la maison à distance. Environ 20 minutes plus tard, un homme est sorti de la maison. Il est monté dans sa voiture et est parti. L'homme était Richard Williams. Il était recherché pour le meurtre du patrouilleur Philip LaMonaco de la police d'État du New Jersey. Les agents du FBI suivirent Williams jusqu'à son repère à Cleveland. Ils devaient maintenant surveiller deux maisons à 100 km l'une de l'autre. À l'un de ces endroits, il y avait le présumé meurtrier de Philip LaMonaco et à l'autre, le fugitif Raymond Levasseur, dont le nom figurait en tête de liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI. Les équipes ont maintenu la surveillance des lieux jusqu'au matin. Vers 9h40, les Levasseurs quittèrent la maison. Go, 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 go. L'unité SWAT passa à l'action. On arrêta Levasseur et sa femme. On a aussitôt transmis la nouvelle de l'arrestation de Levasseur à l'équipe en Ohio. L'équipe a alors voulu prendre d'assaut le repère de Cleveland. À Cleveland, les agents cernèrent la maison de Richard Williams. Celui-ci, un présumé meurtrier et un terroriste, se rendit sans opposer de résistance. Après plusieurs années de travail acharné, l'escouade put enfin capturer deux des trois hommes recherchés en moins d'une heure. On détenait Raymond Levasseur et sa femme et Richard Dickey Williams. Les seuls suspects qu'il restait à arrêter étaient Tom Manning et sa femme. Les agents bombardaient Richard Williams de questions à propos de l'endroit où se trouvait Thomas Manning. Williams ne prononça pas un mot pendant plusieurs heures. Plus le temps passait et plus les fugitifs auraient le temps de prendre la fuite. Finalement, Williams céda sous la pression en révélant les adresses des trois repères à Jefferson, en Ohio. L'un de ces repères était celui de Thomas Manning. Nous nous sommes rendus à cet endroit et nous y avons mené des fouilles exhaustives. La tactique de Williams de garder le silence avait porté fruit. Les Manning avaient eu le temps de prendre la fuite. Mais pas assez toutefois pour éliminer toutes leurs traces. Dans le repère, les enquêteurs trouvèrent des pistolets, de fausses pièces d'identité et 32 000 dollars en argent liquide. Ils trouvèrent également un rapport détaillé de 1 000 pages sur les activités du groupe.
Dans une chambre, on découvrit un balayeur d'ondes radio, syntonisé sur une fréquence utilisée par le FBI. Dans une autre pièce, les agents trouvèrent des explosifs et du matériel de fabrication de bombes. Il y avait également un assortiment de plusieurs pièces, notamment les mêmes vis en laiton caractéristiques que celles des bombes intactes trouvées entre 1976 et en 1983. On recueillit un pistolet semi-automatique d'un calibre de 9 mm. Au laboratoire judiciaire du FBI, les techniciens analysèrent l'arme à feu. Ils comparèrent ensuite le projectile extrait de la blessure fatale du patrouilleur Philippe LaMonaco au projectile obtenu lors de tirs d'essai avec le pistolet en question. On a pu déterminer que cette arme avait abattu Philippe LaMonaco. Bien qu'on eût finalement trouvé l'arme du crime, il serait difficile de retrouver son propriétaire, car quelqu'un avait limé le numéro de série. Les techniciens appliquèrent une solution spéciale leur permettant d'identifier ce numéro. Il était à peine lisible. Ayant réussi, ils purent déterminer que l'arme avait été achetée dans une armurerie de Norfolk en Virginie par une certaine Deborah Ann Fury. Celle-ci avait donné une adresse à Virginia Beach. Les enquêteurs se rendirent à cette adresse. Il s'agissait, encore une fois, d'une boîte postale. Une équipe de surveillance se posta devant pour voir qui viendrait chercher le courrier. Une femme vint bientôt pour ouvrir le casier et les agents purent l'identifier. C'était Deborah Ann Fury, la femme de Thomas Manning. Le FBI avait enfin trouvé la personne qui les conduirait aux derniers membres d'un violent groupe d'extrémistes. L'agent spécial Leonard Cross. On était sûr que le couple possédait un balayeur d'ondes radio et qu'elle trouverait les fréquences utilisées par la police et le FBI. On disposait alors de radios spéciales encodées. Elle ne pourrait donc pas entendre nos communications. On l'a prise en filature et elle nous a conduits vers le nord. La femme de Manning conduisit les enquêteurs jusqu'à une maison à Norfolk, soit à seulement 30 km plus loin. Il ne voulait pas l'arrêter tant qu'il ne serait pas sûr que son mari était à la maison. Une heure plus tard, ils la suivirent de nouveau jusqu'à un centre commercial à proximité. Pendant qu'une équipe d'arrestation appréhendait la femme, une autre équipe passa à l'action chez Manning. Celui-ci était dehors, ignorant qu'on le surveillait. Il n'était pas armé. On a pris la décision de passer à l'action, car ainsi, il n'y aurait pas de blessés. Thomas Manning, le dernier terroriste du groupe, fut arrêté dans sa propre cour. En 1987, Thomas Manning et Richard Williams ont comparu à Somerville, au New Jersey. Donna LaMonaco, la veuve du patrouilleur Philippe LaMonaco, était présente lors de leur procès. C'était très important pour moi d'être présente. Je devais savoir exactement comment les choses s'étaient passées. Je voulais être sûre que c'était bien eux qui avaient tué Philippe. Les deux hommes qui se qualifiaient de révolutionnaires ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de l'agent Philippe LaMonaco. Ils ont écopé de peines additionnelles pour leur rôle dans une série de vols de banque et d'attentats à la bombe à partir de 1975. Lors d'un autre procès, la femme de Thomas Manning a été reconnue coupable de complot et a été condamnée à une peine de 15 ans de réclusion. Raymond Levasseur, lui, a écopé de 45 ans d'incarcération pour son rôle au sein du groupe terroriste. Sa femme a recouvré la liberté après quelques mois de détention. Je crois qu'il est primordial de dire les vraies choses à propos de Levasseur, Manning et Williams. Ils n'étaient rien d'autre que des criminels. Ces types se disaient des combattants pour la liberté, des révolutionnaires. Mais en fin de compte, ils n'étaient que des criminels. Il n'y a rien à ajouter à cela. Quand vous dévalisez des banques, que vous posez des bombes et que vous abattez un policier qui ne faisait que son travail,
Vous êtes un criminel. Un point, c'est tout. Deux décennies se sont écoulées depuis la mort de Philippe Lamonaco. Et pourtant, les gens laissent encore des fleurs et des petits drapeaux aux abords de l'autoroute du New Jersey dont il assurait la surveillance. À Washington, la capitale américaine, un puissant gang de narcotrafiquants terrifie tout un quartier. Il intimide les témoins de ses crimes quand il ne les tue pas. Et le nombre de victimes continue de grandir même après que la police et le FBI eurent ouvert une enquête. On note alors une recrudescence marquée de ventes de stupéfiants. Le quartier devient une véritable zone de guerre. Le FBI devra trouver un moyen de neutraliser les membres de ce gang meurtrier, connu sous le nom de l'équipe de K Street. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Washington, aux États-Unis. Cette ville de monuments et de musées est aussi le siège de la justice américaine. On y trouve la Cour suprême, le département de la justice et le siège du FBI. Mais même la capitale américaine n'est pas à l'abri de la criminalité. Le 22 mars 1991, Wendy York, âgée de 20 ans, rentrait chez elle après avoir fait quelques courses. Elle partageait un appartement avec ses cousines Terita et Teresa Lucas. Teresa était étendue sur le canapé dans le salon, le visage couvert de sang. Wendy se précipita à l'extérieur pour appeler le service d'urgence. Une standardiste dépêcha des policiers sur les lieux. Ils arrivèrent à l'appartement quelques minutes plus tard. Teresa Lucas avait été abattue d'une balle à la tête. Dans une des chambres, les policiers trouvèrent un autre corps sans vie et un enfant. La deuxième victime était Terita, la sœur de Teresa. Elle avait aussi reçu un projectile à la tête. Son enfant lui était sain et sauf. Les agents trouvèrent alors un autre enfant, terrifié. C'était l'enfant de Teresa. Les deux enfants semblaient être restés seuls avec les cadavres pendant plusieurs heures. Peu de temps après, la mère des victimes arriva à l'appartement. Renee Brown fut surprise de trouver des policiers tout autour de l'immeuble. Dans mon esprit, mes pensées se bousculaient. Je voulais entrer, mais les policiers m'en empêchaient. Quand ils m'ont dit que je ne pouvais pas entrer, je leur ai répondu que c'était chez moi et que je devais entrer. Ça a été le jour le plus pénible de toute mon existence. Je ne pourrai jamais l'oublier. Mes deux filles étaient des mères dévouées et elles adoraient leur enfant. Elle ne méritait pas de mourir ainsi. Les experts ratissèrent l'appartement. Ils ne trouvèrent aucune trace d'entrée par effraction. Rien dans l'appartement ne semblait avoir été déplacé ni volé. Rien non plus ne semblait suggérer un mobile pour ces assassinats. Les enquêteurs soupçonnèrent que les victimes connaissaient leur meurtrier. Ils demandèrent à Renee Brown de vérifier l'appartement. Cette mère éplorée aurait fait n'importe quoi pour venir en aide aux policiers. Renee nota l'absence d'un objet dans la chambre de Teresa. La première chose que j'ai remarquée, c'était que la photo accrochée au mur la veille au soir n'était plus là. On trouva l'encadrement. Mais la photo de Sam Carson, le petit ami de Teresa, avait disparu. J'ai alors dit à l'inspecteur que je me demandais bien où se trouvait cette photo.
Nous avons regardé dans les poubelles, mais ne l'avons pas trouvé. J'ai dit que selon moi, celui qui avait cette photo était le meurtrier. Les policiers contactèrent Sam Carson pour lui poser quelques questions. Celui-ci déclara qu'il n'était pas venu à l'appartement le soir du meurtre des deux sœurs. Même si Carson était un suspect possible, rien ne venait appuyer la thèse de sa culpabilité. Les enquêteurs interrogèrent plusieurs résidents du quartier. Tous les voisins déclarèrent ne pas avoir entendu les coups de feu tirés dans l'appartement des Lucas. Deux jeunes femmes avaient péri et pourtant personne ne voulait parler aux policiers. Ce double homicide retint l'attention des autorités policières de toute la région, notamment du FBI. L'agent spécial Vince Lacy fut ébranlé par la violence de ce crime. L'agent Lacy travaille régulièrement comme agent d'infiltration et il doit protéger son identité. C'était effroyable. La police n'avait pas de piste. Les agents s'étaient acharnés à trouver quelque chose, mais il n'y avait aucun témoin. Sans témoin, la police était incapable d'identifier un suspect. Sans mobile du crime, il était impossible de mettre la main sur le meurtrier des deux sœurs Lucas. Et sans indice, ce double homicide risquait de ne devenir qu'une statistique, un autre meurtre irrésolu dans une ville déjà lourdement frappée par la violence. L'épicentre de cette violence était les jardins de Greenleaf, un projet d'habitation sur K Street. La vente de stupéfiants avait semé la terreur dans ce quartier défavorisé, comme s'en souvient l'enquêteur Steve Kirshner. Le crack a fait des ravages en 1985 et en 86. Et avec lui, la violence s'est accrue. Le nombre d'homicides a atteint des sommets inégalés. Je crois que ces meurtres étaient motivés par la jalousie entre les trafiquants. Il y a eu des enlèvements et des agressions. Tout ça a entraîné beaucoup de violence. Les consommateurs, dont la plupart provenaient des banlieues, firent la fortune des revendeurs de K Street. Comme le quartier offrait peu d'opportunités de travail, les profits tirés des ventes de stupéfiants étaient alléchants pour les revendeurs et en favorisaient le recrutement. Ça a été pour eux un vrai pactole. Il était plutôt difficile de convaincre un jeune de 15 ou 16 ans d'aller à l'école et de rester dans la bonne voie, alors qu'il pouvait facilement revendre du crack et empocher 1 000 $ par jour. Ainsi, ce jeune pouvait s'offrir tout ce à quoi il n'avait jamais eu accès à cause de la pauvreté de sa condition. Mais avec comme enjeu des millions de dollars de profit, la compétition devint vite féroce. Les rues devenaient des territoires que les gangs se disputaient. Tout le quartier était un véritable baril de poudre, prêt à exploser, comme nous le raconte l'inspecteur Tony Brigadini de la police métropolitaine. Le secteur était dangereux. Les statistiques que nous avons compilées après plusieurs années d'enquête nous montraient que c'était devenu un des quartiers les plus violents de la capitale. Or, ce quartier est situé à côté d'immeubles gouvernementaux dans le sud-ouest de Washington. Il était plutôt étonnant de voir un tel niveau d'activité criminelle si près du centre-ville. Le FBI et la police métropolitaine formèrent alors une escouade spéciale. Le mandat de ce groupe d'intervention était de remettre de l'ordre dans ces rues devenues de véritables zones de guerre. Les agents quadrillèrent le quartier pour recueillir toute information sur les gangs de rue. Les gens du quartier craignaient visiblement de parler, voire même d'être vus avec les enquêteurs. Quand on frappait chez quelqu'un et qu'on lui demandait si on pouvait lui parler, on était sûr que 3 minutes plus tard, tout le quartier saurait que la police était là. Déçus du manque de coopération de la population, les agents tentèrent une nouvelle approche. Parfois, on suivait quelqu'un jusqu'à son lieu de travail. On essayait de les voir quand ils étaient à l'extérieur du quartier. On faisait tout ce qu'on pouvait pour que le reste du quartier ne sache pas qu'on interrogeait ces personnes.
Peu à peu, certains résidents commencèrent à s'ouvrir. Ils parlèrent des vendeurs de drogue qui avaient pris tout le quartier d'assaut. Il y avait l'équipe de K Street, menée par Vincent Hill, un sociopathe sans pitié qui semblait carburé à la violence. Si quelqu'un l'irritait pour une raison ou pour une autre, il n'hésitait pas à prendre un bâton de baseball, un marteau ou tout autre objet qui lui tombait sous la main pour le frapper. Avec son argent et sa brutalité, Hill était devenu l'un des hommes les plus puissants du quartier, l'enquêteur Neil Trugman de la police métropolitaine de Washington. Il se percevait comme un parrain de la mafia. Il n'avait peur de rien. Selon des informateurs du FBI, même si Vincent Hill dirigeait l'équipe de K Street avec une poigne de fer, il était respecté par ses hommes. Vincent Hill avait la réputation d'être un tyran. Mais on le respectait malgré tout parce qu'on voyait qu'il avait de l'argent. Il était bien habillé, conduisait des voitures de luxe. Ces hommes se faisaient manipuler par lui pour vendre de la drogue. Puis, ils le voyaient battre un type parce que celui-ci ne lui avait pas remis assez d'argent. Tous ces facteurs ont joué en sa faveur. Les gens savaient bien qu'il valait mieux ne pas le contrarier. Et en même temps, Hill leur fournissait un moyen de gagner facilement de l'argent. La distribution de crack entraînait à des peines sévères. Si Vincent Hill et son gang en étaient reconnus coupables, ils pourraient être mis derrière les barreaux pour toujours. Quand les agents lancèrent leur opération, le gang de Hill avait déjà une longueur d'avance sur eux. Juste avant qu'on ne démantèle le gang pour vente de cocaïne, celui-ci abandonna ce commerce pour se consacrer exclusivement à la vente de marijuana. Ils avaient compris qu'en vendant du crack, ils écoperaient de peines sévères alors que la vente de marijuana est considérée comme un délit mineur et qu'elle n'entraînerait même pas de peine de prison. La demande de stupéfiants était effarante. Des acheteurs venaient des banlieues pour s'en procurer. Le gang réussit à maintenir sa marge de profit tout en diminuant ses risques d'emprisonnement. Les ventes ont augmenté en flèche. Tous ces types se remplissaient les poches. Ils pouvaient gagner 3, 4 ou 5 000 $ par jour chacun en ne vendant que de la marijuana. Les plans de l'escouade spéciale étant réduits à néant, les policiers durent se ressaisir. Pendant ce temps, les revendeurs, eux, devinrent de plus en plus audacieux. Il m'arrivait de circuler dans le quartier à bord d'une voiture banalisée et de voir ces types m'offrir des sacs de marijuana à 20 $. Et quand finalement ils se doutaient que vous étiez un flic, ils prenaient la fuite. Les revendeurs laissaient leurs réserves derrière eux jusqu'au départ du policier. Quelques minutes plus tard, ils revenaient au même endroit avec de la nouvelle marchandise et ils reprenaient leurs activités. Plus les affaires marchaient, plus la violence s'accroissait. Et parfois, d'innocentes victimes en payaient le prix. Le 29 août 1992, Travis Ross et ses deux amis furent pris pour des revendeurs de drogue de gangs rivaux. Ross fut tué instantanément. Ses deux amis furent gravement blessés. La police interrogea les deux survivants. Ceux-ci déclarèrent qu'ils ignoraient pourquoi on les avait ciblés. Leur apparente hésitation à répondre aux questions des enquêteurs était compréhensible. Les agents croyaient que l'équipe de K Street avait déjà tué une douzaine de personnes qu'elle soupçonnait d'avoir collaboré avec les autorités. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était comment les membres du gang parvenaient à identifier ces témoins potentiels. En 1995, Bruce Spencer fut atteint de 5 projectiles à bout portant par un membre de l'équipe de K Street. Miraculeusement, il survécut à cette attaque. Il accepta d'identifier l'homme qui avait fait feu sur lui. L'escouade mit aussitôt Spencer en détention protégée. Il fut enregistré à l'hôpital sous le nom générique de Monsieur X. Pendant que Spencer se remettait de ses blessures, l'agent Lissy et ses collègues, K
quadrillèrent les jardins Greenleaf à la recherche de l'homme qui avait tenté de le tuer. Sur K Street, l'agent Lissy et l'inspecteur Trugman se retrouvèrent face à face avec Vincent Hill, le chef du gang. Il nous a dit que tous nos témoins allaient mourir, chacun d'entre eux, même notre ami enregistré à l'hôpital sous le nom de Monsieur X. Et il m'a même donné le numéro de sa chambre. J'ai secoué la tête comme si je ne savais pas de quoi il parlait, mais ce n'était pas le cas. Il voulait qu'on sache qu'il s'occupait de repérer les témoins et de les liquider. Les enquêteurs n'en étaient que plus résolus à protéger ce témoin. Mais les menaces de Hill parvinrent aux oreilles de Spencer. Craignant pour sa vie, il refusa tout net d'aider les enquêteurs. Les membres de l'escouade étaient découragés. C'était une nouvelle défaite contre l'équipe de K Street. Dans les années 90, le quartier des jardins Greenleaf, situé dans la partie sud-ouest de Washington, était assiégé. Un gang connu sous le nom de l'équipe de K Street y avait établi sa base d'opération et en avait fait une véritable zone de guerre. La police métropolitaine travaillait étroitement avec le FBI pour démontrer que le gang était l'auteur de plusieurs meurtres. Les enquêteurs savaient qu'il leur faudrait plus que des condamnations individuelles pour juguler cette vague de violence. On devait mettre au point une stratégie qui permettrait d'arrêter tous les membres du gang. L'escouade décida alors d'utiliser RICO, une loi fédérale contre le crime organisé, qui permettrait de poursuivre l'équipe de K Street en bloc, comme une organisation criminelle qui fait le commerce de la drogue et qui commet des meurtres pour protéger ses intérêts. Les agents mirent également sur pied un réseau de surveillance pour recueillir des informations sur le gang et ses ventes croissantes de stupéfiants. L'agent spécial Vince Lissy. On voulait montrer que ces gens-là étaient des conspirateurs, par leur façon d'agir, par leur façon de vendre de la drogue, à tour de rôle, par leur source d'approvisionnement. On s'est dit que si les agents infiltraient le groupe, on y parviendrait peut-être. Les agents du FBI établirent la surveillance à partir d'un appartement vacant de K Street. Le propriétaire leur offrit l'accès au lieu gratuitement. Comme la plupart des résidents des jardins Greenleaf, il en avait assez de toute cette drogue et de cette violence. On s'est procuré de l'équipement vidéo et des appareils photo et on s'est installé là-haut pour surveiller l'équipe de K Street et voir comment il fonctionnait. On a vu Vincent Hill à plusieurs reprises et on a su comment il s'y prenait. Les enquêteurs maintinrent la surveillance pendant plusieurs semaines. Après avoir soigneusement noté les activités du gang, ils mirent un plan au point. Comme la plupart des acheteurs de drogue de K Street effectuaient les transactions à partir de leur auto, ils devraient utiliser une voiture banalisée. On s'est dit que le meilleur véhicule serait une camionnette. On a choisi la camionnette la plus vieille et la plus sale que le FBI possédait. Ensuite, on a acheté des coffres à outils qu'on a laissés dans la boîte arrière pour qu'on croie qu'il s'agissait du véhicule d'un employé de la construction. La camionnette était équipée de caméras de surveillance et de micros. Deux enquêteurs de la police métropolitaine, Joe Abdallah et Jim Scheider, furent recrutés d'un autre poste de police. Ainsi, les membres du gang ne pourraient pas les reconnaître. Ils se feraient passer pour des ouvriers venus acheter de la drogue. L'enquêteur Joe Abdallah. Jimmy et moi, nous étions entendus au préalable. Si jamais ma sécurité était menacée, je courrais vers la camionnette. Selon le cas, Jimmy mettrait le pied sur l'accélérateur pendant que je sauterais sur le plateau où il sortirait son arme à feu. La cible principale de cette opération de surveillance était Vincent Hill. Les agents d'infiltration s'attendaient à devoir acheter des narcotiques à plusieurs reprises avant de pouvoir rencontrer le chef du gang. Cinq autres équipes de deux hommes circulaient en permanence tout autour du quartier. Ils attendaient les ordres de Lissy.
On avait mis en place tout le système. Il y avait des voitures un peu partout dans le quartier. On a alors donné l'ordre de passer à l'action. Alors que les agents s'apprêtaient à faire leur première transaction, Jim Scheider savait qu'il était en terrain dangereux. Dès qu'on a tourné le coin de la rue, mon cœur s'est mis à battre très fort. Il était impossible de rebrousser chemin. Abdallah et Scheider se mirent à la recherche d'un membre du gang, n'importe lequel, qui pourrait leur vendre de la drogue. C'est alors qu'ils aperçurent Vincent Hill au coin d'une rue flanquée de ses lieutenants. L'équipe de Kay Street était en force. Abdallah, sous le coup de l'impulsion, descendit de la camionnette. Je lui ai demandé si je pouvais avoir deux sacs pour $40. Normalement, ces deux sacs de marijuana se vendaient $50. Un type à ma gauche est parti les chercher là où il gardait la marchandise, près d'une clôture. Vincent Hill a alors dit « Non, c'est deux sacs pour $50 pour vous ». Je lui ai alors donné l'argent et je suis parti. L'équipe de surveillance avait filmé toute la scène. On pouvait clairement y voir le chef de l'équipe de Kay Street vendre de la marijuana à un policier en civil. Joe a acheté de la drogue directement de Vincent Hill la première fois. On s'est dit, bon sang, c'est presque trop facile. En moins de 30 secondes, la transaction avait été complétée. Jim et Joe sont ensuite retournés au bureau. Nous étions tous ébahis. L'escouade spéciale s'attendait à devoir attendre plusieurs semaines, voire quelques mois avant d'entrer en contact avec Hill. Et pourtant, c'était arrivé en moins d'une minute. Le FBI prit avantage de cette situation. Au cours des 6 mois suivants, les agents d'infiltration continuèrent d'acheter de la marijuana directement de Hill en augmentant graduellement la quantité. Chaque fois, la scène était soigneusement photographiée. Par le biais de ces achats, les enquêteurs découvrirent que Hill contrôlait tout ce qui se passait dans le quartier. Cela devint évident quand Abdallah et Scheider tentèrent d'acheter leur drogue d'un autre type que Hill. On s'apprêtait à faire cet achat quand on a entendu quelqu'un crier au bout de la rue. En se retournant, on a vu qu'il s'agissait de Vincent Hill. On est revenu en arrière et on a acheté de la drogue de lui. C'est vous dire à quel point il était puissant dans ce quartier. Pendant plusieurs mois, les achats se firent régulièrement. Et Abdallah ne fit pas que se procurer de la drogue. Il établit une relation. Peu à peu, il gagna la confiance de Hill et tenta de lui soutirer des informations. J'essayais de parler avec lui le plus souvent possible. Parfois, j'engageais la conversation et il me disait « Écoute, si jamais la police arrive, je sais où me cacher, mais pas toi. Alors, dis-moi de quoi tu as besoin et finissons-en. » Parfois, je lui proposais d'acheter plus que des sacs à $20 pièce, ce qu'on pourrait appeler des ventes en gros, des quantités d'au moins 100 grammes. Abdallah commença à acheter les stupéfiants en vrac, passant bientôt de grammes à des demi-kilos. Il fit entendre à Hill qu'il revendait cette drogue au chantier de construction où il travaillait. Il est arrivé qu'il me laisse la drogue en m'offrant de la payer plus tard. Nous avions une relation de confiance. Il m'a même donné de bons conseils sur la façon d'acheter au poids. Il me fournissait des sacs à $20 en m'expliquant comment séparer la drogue pour la revendre en plus petite quantité à mes amis. Il n'a pas été avare de conseils. Pendant 6 mois, les opérations allèrent bon train. Puis, une transaction mit l'équipe en alerte. Un jour, après avoir fait un achat, Jimmy était au volant et j'étais assis à la place du passager quand Jimmy m'a fait remarquer que Hill me faisait signe de baisser ma vitre d'auto, ce que j'ai fait. Il m'a alors dit que des types avaient laissé entendre que mon ami était agent de police. Ensuite, il a dit « Je sais que je peux vous faire confiance », mais il a ajouté « Ces types vont vous tuer ».
Ça nous a désarçonnés. En partant, on a vu que les types qu'ils nous avaient indiqués portaient des capuchons et qu'ils regardaient dans une direction opposée à nous. Apparemment, Hill ne semblait pas croire qu'Abdallah et Scheider étaient des policiers. Les deux agents poursuivirent leurs opérations. Une semaine plus tard, ils se rangèrent sur K Street. Vincent Hill était là. Hill s'est montré distant. Il ne voulait pas s'occuper de moi. Il m'a dit qu'il ne savait pas de quoi je parlais. C'était très perturbant parce que d'habitude, il me demandait de quoi j'avais besoin et après m'avoir servi, il me disait de filer. Mais ce jour-là, il a dit qu'il n'avait rien, qu'il ignorait ce que je lui voulais et que je devais aller voir ailleurs. Hill les envoya voir un autre vendeur au bout de la rue. Ce soir-là, Abdallah rencontre l'homme dans une maison abandonnée. Le policier se préparait à une confrontation armée. Ce monsieur est entré dans la maison et il m'a demandé de le rejoindre. Il a ensuite voulu me donner un sac rempli de gazon. Ce n'était pas de la marijuana. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre que la situation était anormale. Abdallah savait qu'il avait été démasqué. Comme les renforts ne pourraient venir avant deux bonnes minutes, il se fraya lentement un chemin vers la sortie, tout en conservant son calme. L'opération secrète était terminée. Après six mois à acheter des stupéfiants à Vincent Hill et son gang, l'escouade ne disposait pas assez d'indices pour les mettre derrière les barreaux une bonne fois pour toutes. Si on s'était contenté de les inculper de vente de narcotiques, ils auraient écopé de seulement 10 ans, voire même 5 ans d'emprisonnement. Et pire encore, ils n'auraient même pas été tenus responsables de tous les crimes violents qu'ils avaient commis. Il nous restait donc à enquêter sur ces meurtres, ces vols et ces enlèvements, de même que sur tous les autres crimes violents dont le groupe était soupçonné. Il restait beaucoup de travail aux enquêteurs. Et pendant ce temps, la violence faisait toujours rage dans les rues du quartier. À Washington, une opération secrète menée pendant quelques mois avait commencé à donner des résultats. Les enquêteurs avaient filmé l'équipe de K Street en train de vendre des stupéfiants. Mais maintenant, ils devaient trouver des preuves que le gang s'adonnait à des activités violentes. En 1995, une jeune femme courageuse se décida à venir parler aux agents. Tracy Gladden avait alors 19 ans. Le quartier où elle habitait inquiétait cette mère célibataire. Tracy déclara à la police que Jerome Martin et Antonio Knight étaient les auteurs d'un meurtre commis à partir de leur voiture. Elle avait entendu Martin en parler. Bien qu'elle ignorât le nom de la victime, la description de ce crime correspondait à un meurtre irrésolu, commis six mois plus tôt. Travis Ross avait été abattu de cette façon près de Clay Street. Deux de ses amis avaient été gravement blessés. Tracy voulait témoigner contre les membres du gang, car elle savait que leur présence dans le quartier le rendait très dangereux. Malgré tout, elle les craignait. Elle déclara aux enquêteurs que si elle parlait ouvertement contre l'équipe de K Street, on la tuerait. Tracy Gladden, de même que deux autres femmes, acceptèrent finalement de témoigner contre le gang à condition que le FBI les intègre à son programme de protection des témoins, l'agent spécial Vince Lacey. On a fini par convaincre Chrissy et les deux autres témoins de collaborer avec nous. On leur a promis qu'on assurerait leur sécurité et qu'on ferait tout pour qu'il ne leur arrive rien de mal. On leur a clairement dit de ne pas divulguer où elles vivaient et de n'emmener personne à leur nouvel appartement. La coopération de Chrissy porta fruit. Jerome Martin et Antonio Knight, tous deux membres du gang, furent formellement accusés de meurtre. «
Lacey croyait qu'il détenait assez d'indices pour obtenir gain de cause. Une semaine avant le procès de Jerome Martin, nous avons interrogé les témoins à plusieurs reprises. Nous leur avons parlé pour les préparer au procès. Nous voulions qu'ils sachent quelles questions on leur poserait si jamais ils se présentaient à la barre et témoignaient. Une semaine avant que Chrissy ne vienne au bureau du procureur, on l'a préparée et elle savait assez bien ce qu'on attendait d'elle. Elle n'avait pas assisté au meurtre, mais nous avait permis de répondre à plusieurs questions sur cet homicide. Quatre jours avant le début du procès, un des témoins contacta Vince Lacey. Elle était en état de panique. Elle hurlait et me disait qu'ils avaient tué Chrissy. Chrissy est morte, ils l'ont tuée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Et quand j'ai compris ce qu'elle tentait de me dire, ça a été comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. L'agent Lacey se rendit aussitôt dans le secteur sud-ouest de la ville. Sur la scène du crime, la police métropolitaine lui fit un compte-rendu des événements. Selon des témoins, Chrissy était allée à une fête sur la 37e rue chez la petite amie d'Antonio Knight. Au moment où elle quittait la fête, deux hommes avaient fait éruption et avaient ouvert le feu sur elle. À l'arrivée des policiers, Chrissy était morte. Chrissy croyait qu'elle ne courait aucun danger. Elle faisait confiance à ses amis et à tous les gens de ce quartier. Elle pensait pouvoir retourner sans risque dans ce secteur. C'est sans doute le moment de ma carrière où je me suis senti le plus mal. C'est très difficile parfois de continuer à travailler quand il arrive de tels drames. Malgré tout, le procès contre Jerome Martin et Antonio Knight eut lieu. Ce fut un désastre. Cette affaire avait traîné tellement longtemps qu'on s'est dit qu'on ne pouvait plus reculer. On a fait du mieux qu'on pouvait. Certains témoins ont été incapables de venir à la barre. Ils étaient en état de choc. On a plaidé notre cause devant les tribunaux et on a perdu. Jerome Martin et Antonio Knight furent acquittés, faute de preuves. Pour l'équipe de Kay Street, les témoins gênants comme Chrissy Gladden n'étaient qu'un inconvénient mineur. On était découragés de voir ces types recouvrer la liberté, de voir qu'ils avaient gagné cette bataille. Ils étaient heureux car ils avaient gagné contre nous. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas reculer et les laisser avoir le dessus. Moins d'un mois plus tard, le FBI et la police de Washington eurent un coup de chance inespéré. Robert Butchie Smith, un vétéran au sein de l'équipe de Kay Street, fut arrêté pour vente de stupéfiants. Dans l'espoir de le faire parler du gang, les agents du FBI lui firent part des accusations de racket qui seraient portées contre lui. Il se constituait un dossier en se basant sur la loi RICO et pourrait bientôt relier les ventes de stupéfiants du gang à une série de meurtres. La stratégie porta fruit. Smith accepta enfin de parler. Il déclara que le gang identifiait les témoins qui pouvaient parler contre eux par le biais de détectives privés. Il tirait également profit de la loi sur la liberté d'accès à l'information pour obtenir des documents de la cour et cibler ainsi des témoins potentiels. Smith fournit plusieurs pistes aux enquêteurs sur des enlèvements, des fusillades et des meurtres. Il mentionna notamment un triple homicide dont son neveu, William Sweeney, lui avait parlé. William Sweeney, Sam Carson et James Montgomery étaient tous des membres de l'équipe de Kay Street. Smith déclara que Sweeney et Carson étaient à Las Vegas quand Ryan Pierce, un autre vendeur de stupéfiants, avait remporté beaucoup d'argent au casino. Les deux hommes avaient décidé de voler Pierce à son retour à Washington. Le 17 novembre 1996, Sweeney, Carson et Montgomery l'avaient attendu devant sa maison. Pierce était arrivé tard ce soir-là en compagnie de trois amis. L'équipe de Kay Street passa à l'action. Where the money at, Lou? What's up, man? What's this, man? Where the money at? No, where the money?
Pierce déclara alors qu'il avait déjà déposé ses gains à la banque. Il n'y avait pas d'argent dans la maison. Sweeney tua les deux hommes. Une femme tenta de s'enfuir et fut abattue. Une autre réussit à se cacher jusqu'au départ des meurtriers. Selon Butcher Smith, l'équipe de K Street tuait généralement en réaction à une menace. Mais le meurtre de Pierce n'était pas de même nature. Cette fois, le mobile du crime était la cupidité. Ça signifiait qu'on pouvait travailler sur un acte d'accusation et préparer les chefs d'inculpation contre ces individus pour autre chose que la vente de drogue. Smith accepta de devenir informateur pour le FBI en échange d'une réduction de peine. C'était risqué pour lui. Si quelqu'un découvrait qu'il parlait aux autorités, Vincent Hill le ferait abattre. Des experts analysèrent une empreinte digitale relevée sur la porte moustiquaire de la scène du crime. Elle correspondait aux empreintes de Sweeney, ce qui corroborait les déclarations de Butcher. Ce qui nous a également aidés, c'est les relevés téléphoniques de William Sweeney que nous avions obtenus. Certains des membres de notre équipe ont suivi cette piste. Ils ont contacté la compagnie de télécommunication de son portable et découvert qu'il s'était servi de son appareil près de la scène du crime, au moment du triple homicide. Les enquêteurs passaient rapidement à l'action pour neutraliser Sweeney. En avril 1997, il fut arrêté pour d'autres accusations. Sweeney, qui attendait son procès derrière les barreaux, reçut de son avocat une copie de son mandat d'arrêt. Le document indiquait qu'une personne anonyme avait divulgué des informations accablantes sur lui. Deux mois plus tard, alors qu'il semblait que l'escouade pourrait enfin mettre un terme définitif aux activités du gang, Robert Butcher Smith fut abattu en plein jour. L'informateur du FBI avait reçu 13 projectiles, la plupart dans la tête. Le meurtre de Butcher Smith menaçait de ruiner tout le dossier contre K Street. Les enquêteurs avaient perdu leur seul et unique informateur. En outre, le meurtre brutal de cet homme avait fait fuir tout autre témoin potentiel. Après le meurtre de Butcher, on s'est tous regardés en se disant « Et maintenant, on fait quoi? Dans quelle direction va-t-on ?» C'était comme si on avait perdu notre élan. On devait trouver un moyen de poursuivre l'enquête. On s'est dit qu'on pourrait continuer de suivre la piste que Butcher nous avait fournie. Mais on devait toujours trouver quelqu'un qui nous aiderait de l'intérieur. Et Butcher n'était plus là. On s'est réunis et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser ce drame nous abattre. On ne pouvait pas s'arrêter. En 1997, l'enquête du FBI sur l'équipe de K Street était en péril. Le seul informateur des agents avait été abattu en plein jour. D'autres témoins potentiels étaient terrifiés à l'idée de connaître le même sort. Avant d'être tué, l'informateur Butcher Smith avait dit aux enquêteurs que James Montgomery était l'un des auteurs du triple homicide. Montgomery fut arrêté et convoqué à un interrogatoire. L'agent spécial Vince Lacy pressa le suspect de parler de ce triple homicide ainsi que des autres crimes du gang. Montgomery était déjà susceptible d'écoper d'une longue peine de prison pour ces meurtres. Il décida enfin de coopérer. Il reconnut avoir participé au meurtre. Il reconnut également être impliqué dans 7 autres homicides, dont celui de Chrissy Gladden, le témoin du FBI. Lacy l'encouragea à lui révéler d'autres informations sur les crimes commis par le gang. Montgomery déclara qu'un des membres, Sam Carson, avait abattu l'informateur Butcher Smith.
C'est alors qu'il largua sa bombe. Il a dit, vous souvenez-vous du meurtre des deux jeunes femmes? Je lui ai demandé de qui il parlait. Il m'a répondu, les deux filles tuées au début des années 90. J'ai tout de suite compris. Montgomery parlait des deux meurtres irrésolus de Teresa et Terita Lucas. Quand il m'a parlé de cette affaire, je n'en croyais pas mes oreilles. Selon Montgomery, Sam Carson avait caché un sac d'armes à feu chez sa petite amie Teresa Lucas. Quand il lui avait demandé de lui rendre ses armes, Teresa lui avait répondu qu'elle ne les avait plus. Elle ne voulait pas de ses armes avec les enfants autour et s'en était débarrassée. Furieux, Carson avait décidé d'affronter Teresa une dernière fois. Il avait caché son pistolet dans la salle de bain. D'abord, il tenta de calmer Teresa en lui montrant qu'il n'était pas armé. Il lui a alors demandé « Où est mon arme? J'en ai besoin. Où l'as-tu mise ?» La réponse qu'elle lui a alors donnée ne l'a pas satisfait. Il est retourné dans la salle de bain où il a pris son arme. Et il l'a tué. Sam est ensuite entré dans la chambre à coucher où Terita venait tout juste de se réveiller et il l'a également abattu. Selon Montgomery, Carson s'était ensuite débarrassé de tout indice de sa présence sur les lieux du crime. Il a pris tout son temps. Quand il a constaté qu'il avait éliminé toutes les photos de lui, qu'il avait effacé toutes ses empreintes digitales, il est sorti de l'appartement, est monté dans sa voiture et il est parti. Les enquêteurs demandèrent ensuite à Montgomery comment le gang avait découvert l'identité des deux policiers en civil, Joe Abdallah et Jim Scheider. Montgomery déclara qu'un type qui vivait de l'autre côté de la ville les avait reconnus et qu'il l'avait dit à Vincent Hill. Même si Hill ne l'avait pas cru de prime abord, cela avait éveillé ses soupçons, comme nous le raconte l'enquêteur Joe Abdallah. Après notre transaction ce jour-là, ils nous ont suivis jusqu'à l'immeuble du FBI où nous avions l'habitude de nous réunir avec les autres membres de l'équipe après les achats de drogue. C'est ce jour-là qu'ils ont cessé de nous vendre des stupéfiants. Lissy ne voulut courir aucun risque avec ce témoin. Il décida de le faire déménager dans un autre état pour sa protection. À l'automne 1997, Montgomery plaida coupable de 7 meurtres. Tel qu'entendu avec les agents, les informations relatives à sa peine et à l'endroit où il vivait furent tenues secrètes. FBI, I have a warrant for your arrest. Put your hands on your head now. La police arrêta Sam Carson et le fit inculper du meurtre de Teresa et Terita Lucas. William Sweeney, qui était déjà derrière les barreaux pour d'autres crimes, fut inculpé du triple homicide. Une fois Montgomery en sécurité, les autorités commencèrent à démanteler l'infrastructure de l'équipe de K Street. Jerome Martin, Sean Coates et le chef du gang, Vincent Hill, furent arrêtés au cours de l'été 1998. L'acte d'accusation fédérale contre le gang incluait 13 chefs d'inculpation de meurtre, 87 chefs de raquettes, d'autres chefs de distribution illégale de stupéfiants, d'enlèvement et de vol. Pendant le procès, le juge autorisa l'écoute de l'enregistrement des témoignages de Chrissy Gladden et de Robert Butchie Smith. Même mortes, les victimes du gang pourraient pointer leur bourreau du doigt.
en 2001. Tous les membres du gang accusés de meurtre ont été reconnus coupables et ont écopé de peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Quant aux autres membres, ils ont plaidé coupables à une série d'accusations allant d'enlèvement à trafic de drogue. Dans mon esprit, il était évident que tant que ces hommes seraient en liberté, ils continueraient de sévir. C'était toute leur vie. Ils savaient comment s'y prendre pour vendre des stupéfiants, pour voler et pour tuer. Grâce aux efforts conjugués du FBI et de la police de Washington, K Street est maintenant redevenu un endroit sécuritaire. Des braqueurs de banque deviennent de plus en plus violents à chaque hold-up. Jusqu'au jour où le vol se termine par une fusillade mortelle. Un dangereux suspect est en cavale. La police organise alors une chasse à l'homme pour retrouver le fugitif, si désespéré qu'il ne s'arrêtera devant rien pour échapper à ses poursuivants. Aux États-Unis, les enquêtes sur les vols de banque relèvent du FBI. C'est à Seattle, plus que partout ailleurs au pays, que les braquages de banque sont les plus fréquents. Le bureau du FBI de Seattle doit enquêter sur tous les vols de banque commis dans l'État de Washington. L'agent spécial Mike Adams est le directeur de la section sur les enquêtes des vols de banque. Au cours des 5 ou 6 dernières années, on a enquêté sur environ 300 vols de banque par année, principalement ici dans la région de Seattle ou de King County. Les braquages sont un réel problème dans notre région. Selon le FBI, c'est la drogue qui est la source du problème. En outre, l'État de Washington compte un nombre élevé de succursales bancaires. Les agents du FBI estiment qu'il y a deux types de vols. Le premier étant le vol où le criminel s'approche d'un caissier ou d'une caissière, lui tend un papier sur lequel il exige qu'on lui donne l'argent du tiroir-caisse. Il ne s'agit pas d'un voleur qui cherche à attirer l'attention en criant ou qui tente de prendre le contrôle de la banque. L'autre type de vol, plus rare celui-là, mais beaucoup plus dangereux. Il s'agit du hold-up. Le hold-up, c'est lorsqu'un ou plusieurs voleurs entrent dans la banque et qu'ils tentent par divers moyens de prendre le contrôle des lieux. Ils ordonnent parfois aux gens de se coucher par terre ou ils forcent les employés de la banque à s'éloigner des guichets. Dans la plupart des cas, ces voleurs sont armés. On les considère donc comme des sujets violents, contrairement aux voleurs du premier type. Selon les statistiques, les braqueurs de banque qui ont réussi le hold-up une première fois commettent d'autres vols et deviennent de plus en plus audacieux et violents. Le 17 mai 2000, dans le centre-ville de Seattle, fut commis le premier d'une série de hold-up particulièrement brutaux. Les voleurs s'enfuient rapidement avec des milliers de dollars en argent liquide. Une semaine plus tard, des assaillants s'attaquèrent à une autre banque du même quartier et braquèrent des armes encore plus puissantes sur les clients et les employés. Deux semaines plus tard, des voleurs sévirent de nouveau. Ils étaient plus agressifs encore. Comme les braquages de ce genre sont d'habitude peu fréquents, les agents en vinrent à croire que tous ces vols avaient été commis par les mêmes individus.
Ces hold-ups se ressemblaient par leur violence et par l'importance des montants volés. Il était évident que ce genre de vol allait attirer notre attention, surtout à cause de leur haut degré de violence. Chaque fois, les voleurs avaient pris la fuite dans des voitures volées sans qu'aucun témoin ne puisse les identifier. Le FBI était aux prises avec des criminels expérimentés qui devenaient de plus en plus agressifs. Leur comportement laissait présumer qu'ils finiraient par tuer quelqu'un. Six jours plus tard, dans la matinée du 22 juin 2000, les craintes des agents allaient malheureusement se réaliser. Deux hommes empruntèrent Aurora Avenue, puis ils entrèrent dans le stationnement de la Wells Fargo Bank. Les personnes qui se trouvaient à l'intérieur n'avaient aucune idée de ce qui se tramait. Les tireurs réunirent tous les clients et les employés, mais ils en oublièrent un. Visiblement, ils étaient organisés. L'un d'eux monte à la garde pendant que l'autre cherchait une caissière ayant accès à la chambre forte. Pendant ce temps, le gérant contacta le service d'urgence. La téléphoniste avisa les policiers que les voleurs étaient toujours dans la banque. L'agent Wesley Buxton répondit à l'appel. Le hold-up était en train d'avoir lieu. C'était inusité. D'habitude, on arrive après le déclenchement du système d'alarme, pas pendant le vol. Buxton se précipita sur les lieux. Dans la chambre forte, le voleur mit tout l'argent qu'il put dans ses deux sacs à dos. La caissière obéit aux ordres du voleur armé en espérant qu'il lui laisserait la vie sauve. Buxton éteignit sa sirène en arrivant près de la banque. Je suis arrivé le premier sur les lieux. Une moto était garée devant la banque, sur le trottoir, je crois. On ne pouvait pas vraiment voir à l'intérieur. Conformément à la procédure en pareil cas, le policier se mit à l'abri jusqu'à l'arrivée des renforts. L'agent Rick Spraker arriva à son tour et il se mit en position pour intervenir. Les bandits sortirent alors de la banque sans savoir qu'ils étaient surveillés. Leur moto ne démarra pas. Ils sont restés plantés là, tentant sans doute de comprendre pourquoi la moto ne voulait pas démarrer. Ils en sont alors descendus et se sont enfuis à pied. Un des deux hommes trébucha. Je lui ai ordonné de rester par terre. Buxton surveilla le premier homme. Quant à l'agent Spraker, il ordonna à l'autre suspect de s'arrêter, mais celui-ci disparut. L'agent Buxton se retrouva bientôt confronté au pire scénario d'entre tous. C'était comme un film qui défile au ralenti. Sur les enregistrements, j'ai constaté que les coups de feu s'étaient rapidement succédés. Mais au moment du crime, c'était comme s'il s'était écoulé une ou deux secondes entre eux. Spraker riposta au coup de feu et arrêta enfin le tireur. Les policiers détenaient un des suspects. L'autre s'était enfui. Aussitôt après l'appel de Spraker, les patrouilleurs affluèrent sur la scène du crime.
Pendant que des infirmiers donnaient les premiers soins à l'agent Buxton, Spraker mit rapidement les enquêteurs au fait de la situation. L'individu qui avait tiré sur le policier était mort. La traque pour retrouver le suspect qui s'était enfui s'organisa aussitôt. Les répartiteurs transmirent la description du suspect sur toutes les fréquences radio captées par les patrouilleurs. Pendant ce temps, des agents du FBI arrivèrent en hâte à la banque. Parmi eux se trouvait Mike Adams. En route vers la banque, j'ai entendu qu'un policier avait été gravement blessé. C'était à l'évidence un hold-up très violent. Adams constata que les circonstances entourant ce vol étaient semblables à celles de trois hold-up précédents. Mais cette fois-ci, la violence avait atteint un point culminant. Comme un suspect armé courait toujours, les autorités devaient agir rapidement pour éviter que la situation se détériore. Il y avait beaucoup de monde. Les passants commençaient à s'attrouper. La police de Seattle a immédiatement pris le contrôle des lieux car c'était dangereux. La menace planait toujours. Le service de police de Seattle envoya des membres de la section des homicides sur place, notamment l'enquêteur Paul Suguru. Chaque fois qu'un policier de Seattle se sert de son arme à feu, nous sommes appelés sur les lieux pour faire enquête. Les divers services policiers devraient travailler de concert pour traquer le bandit en fuite. La police de Seattle mit sur pied une escouade spéciale pour coordonner les recherches. Les membres de l'unité SWAT avaient déjà commencé à examiner le périmètre. En avançant dans la direction prise par le suspect, les experts de l'unité SWAT fouillèrent méthodiquement tous les endroits où il aurait pu se cacher. Ils étaient prudents, car ils savaient que le bandit était prêt à tout et qu'il pouvait encore se trouver dans les parages. Inquiets pour la sécurité publique, de nombreux policiers affluèrent sur les lieux du crime. On bloqua l'accès à certaines routes et l'on détourna la circulation. Voici le sergent détective David Ritter. Le hold-up et l'échange de coups de feu qui a suivi ont entraîné une présence policière accrue dans le secteur. On avait aussi des unités canines. L'hélicoptère de King County s'est joint aux équipes de recherche, de même que le SWAT. L'unité SWAT fit du porte-à-porte pour alerter toutes les personnes qui se trouvaient dans ce quartier d'affaires. On a fait fermer tous les commerces pour la sécurité des gens, parce que le suspect courait toujours. Après avoir soigné les blessures de l'agent Buxton au bras gauche et à l'épaule droite, les techniciens d'urgence médicale le conduisirent à l'hôpital. Dans les deux cas, les projectiles étaient entrés et ressortis. C'était donc seulement une question de les nettoyer et de s'assurer qu'il n'y aurait pas d'infection. L'agent spécial Adams fouilla dans les poches du voleur abattu. J'ai sorti des pièces d'identité sur lesquelles on pouvait lire son nom. Daniel Del Fiero. Ce n'était pas quelqu'un qu'on connaissait au FBI. Mais ce nom nous permettrait au moins de commencer notre enquête. Les experts trouvèrent ensuite le pistolet semi-automatique de calibre 380 qui avait blessé Buxton. Dans un étui, ils trouvèrent également un revolver. Puis ils trouvèrent deux sacs à dos remplis de billets de banque. Plusieurs de ces billets étaient toujours emballés d'un film plastique, comme le sont les liasses qui proviennent de la banque fédérale. Plus tard, on a calculé qu'il y avait plus de 151 000 dollars dans les deux sacs à dos. Une très grosse somme, beaucoup plus que ce que les voleurs de banque emportent d'habitude lors d'un hold-up. Les agents vérifièrent le numéro de plaque d'immatriculation de la moto. Malheureusement, cela ne leur permettrait pas d'identifier le suspect car la moto était volée. Ils interrogèrent ensuite les employés de la banque et les clients à la recherche d'indices sur l'endroit où pourrait se cacher le second suspect. Mais les voleurs ne s'étaient jamais appelés par leur nom et personne n'avait pu voir leur visage. Un expert judiciaire releva une trace de pas sur le comptoir. Ce serait malheureusement le seul indice qu'on trouverait sur la scène du crime. Le vol avait été bien planifié. La police obtint le dossier du voleur mort, Daniel Del Fiero. Celui-ci venait à peine de sortir de prison
où il avait été incarcéré pour homicide involontaire coupable et assaut. Les policiers poursuivirent leur recherche du complice de Del Fierro. À peine quelques heures après le braquage, ils retrouvèrent sa trace. Des enquêteurs rejoignirent les policiers dans un parc à ferraille des environs où ils avaient trouvé des indices. Il avait laissé plusieurs choses derrière lui. Dans sa fuite, il s'était débarrassé de son casque et de ses gants. La piste qu'on suivait était parsemée de ses effets. Il avait poursuivi sa course pendant encore une quinzaine de mètres. Puis il avait ôté sa veste avant d'escalader une très haute clôture surmontée de barbelés. Près de la veste, on a aussi trouvé un pistolet semi-automatique de calibre 45. Les enquêteurs soupçonnèrent que le voleur cherchait à brouiller les pistes en laissant derrière lui tout ce qui pouvait le relier au crime. Au moment où cette piste semblait se terminer en impasse, on trouva autre chose. Les enquêteurs se rendirent à un immeuble d'habitation du quartier à la suite de l'appel de la responsable des lieux. Elle avait avisé les autorités après avoir trouvé des traces de sang récentes devant un appartement. On en a déduit que le suspect s'était blessé en passant par-dessus la clôture. Et s'il s'agissait du bandit, il pouvait toujours se trouver dans l'immeuble, prêt à tout. Les policiers avisèrent l'unité SWAT. L'unité arriva rapidement. La police espérait bien pouvoir coincer ce dangereux bandit au plus vite. En juin 2000, après le hold-up d'une banque de Seattle, un policier avait été blessé lors d'un échange de coups de feu et un des voleurs avait été abattu. Son complice armé s'était enfui à pied. La police avait suivi sa piste jusqu'à un immeuble du quartier où l'on avait relevé des traces de sang. Croyant que le suspect pouvait s'être réfugié là, une unité SWAT vérifia méthodiquement tous les couloirs et les appartements de l'immeuble. Les tentatives furent vaines. Une fois les recherches terminées, les enquêteurs prélevèrent un échantillon de sang pour analyse. Très rapidement, les autorités fermèrent l'un des secteurs commerciaux les plus animés de la ville, paralysant ainsi tout le quartier. Les enquêteurs avaient identifié le suspect abattu. Il s'appelait Daniel Del Fierro. Ce nom constituait la piste la plus solide pour retrouver le deuxième voleur. Steve Fogg, le procureur de King County, nous raconte. On a aussitôt obtenu un mandat pour fouiller sa résidence et son auto pour recueillir tous les renseignements à son sujet et peut-être découvrir qui était son complice. Chez Del Fierro, les enquêteurs rencontrèrent une femme avec qui il vivait. Elle déclara qu'elle ne savait rien du hold-up, mais les aida toutefois à établir une liste des relations de son colocataire. Les enquêteurs fouillèrent ensuite les lieux, mais rien de ce qu'ils trouvèrent ne put les aider à identifier le suspect qui leur avait échappé. À l'autre bout de la ville, des policiers répondirent à l'appel d'un homme. Celui-ci déclara qu'un type avait voulu lui voler sa voiture de force. C'était juste au nord de l'immeuble où l'on avait découvert des traces de sang. Le conducteur raconta comment il avait quitté son appartement quelques minutes plus tôt. Tout à coup, il a vu ce type apparaître devant lui et frapper de ses mains le capot de sa voiture pour le forcer à s'arrêter. Le type disait qu'il venait d'être mêlé à une bataille et qu'il avait besoin d'aide. Il voulait qu'il le fasse monter à bord. L'homme devint de plus en plus agressif. Il a introduit sa main à l'intérieur et a tenté de s'emparer des clés. Quand il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, il est soudainement devenu très agressif. Le conducteur est parvenu à le repousser et à s'enfuir à toute vitesse avant de raconter sa mésaventure à un policier. Les policiers étaient persuadés que l'homme qui avait cherché à lui enlever sa voiture était le voleur qu'il poursuivait.
La victime leur donna une description détaillée de l'assaillant et leur indiqua par où il était parti. Il se dirigeait vers le nord. On a donc réorienté nos recherches dans cette direction. On a aussitôt retransmis sa description. Les médias nous ont aidés en diffusant ces informations très rapidement. Pendant les trois heures suivantes, les enquêteurs ne trouvèrent aucune trace du fugitif jusqu'à ce qu'un opérateur du service d'urgence reçoive un appel. Un homme déclara que sa femme et lui avaient été retenus captifs au cours de l'après-midi. L'intrus s'était enfui depuis, mais il pensait qu'il s'agissait peut-être du voleur dont ils avaient entendu parler au bulletin de nouvelles. Les enquêteurs se rendirent aussitôt à cette maison au nord de l'endroit où un homme s'était pratiquement fait voler sa voiture de force. Trois heures plus tôt, la femme quittait sa maison quand elle avait vu un homme à bord de sa camionnette. L'homme était calme. Il lui avait dit qu'il venait d'être mêlé à une bataille et qu'il avait besoin d'aide. Elle n'avait pas mordu à l'hameçon. À ce moment-là, la police surveillait tout le secteur et elle a dit, en pointant les hélicoptères, « Je crois plutôt qu'ils vous recherchent. » Une fois de plus, la personnalité du suspect a changé complètement. Mais cette femme n'était pas le genre de personne à se laisser faire. Elle tenta de se défendre. Il s'est emparé d'un couteau et lui a fait comprendre qu'il n'hésiterait pas à s'en servir. Il lui a dit que sa vie était menacée et que s'il le fallait, il serait violent avec elle. Alors qu'il cherchait quelque chose pour la ligoter, son mari rentra à la maison. Le mari a alors voulu intervenir, mais le type lui a donné un coup de poing. Ils ont obéi à ses ordres pour se sortir vivants de cette mésaventure. Ils croyaient que s'ils se laissaient ligoter, le type n'utiliserait pas son arme. Le couple entendit ensuite l'assaillant faire des appels dans une pièce voisine depuis son portable. Il alla ensuite calmement se prendre une bière dans le réfrigérateur et regarda le bulletin de nouvelles à la télé où l'on parlait du vol qu'il venait de commettre. Il semblait stupéfait à la vue des images en direct des recherches menées pour le retrouver. Environ 2h30 ou 3h plus tard, quelqu'un a frappé à la fenêtre. Il est alors sorti en vitesse de la maison et ils ne l'ont plus revu. Quand la police arriva, il était évident que le suspect avait échappé au filet tendu par les autorités. L'agent spécial Gary Shinline du FBI ne savait que trop bien que ce fugitif était particulièrement dangereux. La nature du crime en lui-même, ce vol de banque, était très violent. En outre, lors de leur fuite, son complice et lui avaient tiré sur un agent de police. Ensuite, le suspect avait pris des otages. Dans cette enquête, les enjeux étaient particulièrement élevés. L'enquêteur Paul Suguro commença à quadriller le quartier où vivait Daniel Del Fierro, le voleur abattu par la police. Un homme déclara qu'il avait reconnu la moto utilisée lors du vol en regardant le bulletin de nouvelles à la télévision. Il avait aperçu Del Fierro avec cette moto avant le vol. L'homme avait vu la moto sur le plateau d'une dépanneuse. Le témoin avait aperçu un autre type à l'intérieur de la dépanneuse en compagnie de Del Fierro la veille du vol. Suguro croyait que le conducteur de la dépanneuse pouvait être le deuxième voleur. Il demanda au voisin de Del Fierro s'il le connaissait. L'homme lui répondit qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Les enquêteurs eurent enfin un coup de chance quand les experts commencèrent à analyser les indices qu'avait laissés le voleur lors de sa fuite. Dans une poche de sa veste, on a trouvé la photocopie du permis de conduire d'une jeune fille de 16 ans, de même que plusieurs informations sur elle. Les agents se mirent à la recherche de la jeune fille.
On a appelé son père qui nous a dit qu'elle était au cinéma. Les agents lui ont dit qu'ils devaient l'interroger. Quand elle est arrivée au poste, elle a déclaré que dès qu'elle avait vu son père entrer dans la salle de cinéma, elle avait compris de quoi il s'agissait. Les agents lui montrèrent la photocopie de son permis en lui demandant comment, selon elle, les voleurs l'avaient obtenu. Elle nous a dit qu'une personne qui fréquentait la même école qu'elle l'avait approché pour lui dire qu'il connaissait quelqu'un ayant beaucoup d'argent, qui avait besoin d'une nouvelle identité et d'un numéro d'assurance sociale. En échange de ces pièces d'identité, la jeune fille toucherait quelques milliers de dollars. Elle déclara que ces pièces d'identité devaient servir à ouvrir des comptes bancaires pour blanchir de l'argent volé. Elle donna alors le nom de son ami à l'école secondaire qui servait d'intermédiaire pour cette fraude. Les enquêteurs retracèrent l'individu en question, bien résolu à obtenir sa collaboration. On l'a contacté tôt le matin. Il s'est d'abord montré hésitant à nous parler. Mais après avoir discuté un peu avec nous, il a commencé à nous parler de ce type qui lui avait demandé d'obtenir des pièces d'identité et des numéros d'assurance sociale pour lui. Il déclara que l'homme s'appelait Aristotle Moore. On a alors pensé que cet Aristotle Marr pouvait fort bien être notre suspect, puisqu'il cherchait à blanchir de l'argent pour son propre compte. Les enquêteurs étaient sûrs d'être sur la bonne voie quand le jeune intermédiaire déclara que Marr possédait une entreprise de remorquage. Ils vérifièrent les antécédents du suspect. Selon la régie des véhicules, une dépanneuse était enregistrée au nom de Moore. En outre, la description de ce véhicule correspondait à celle de la dépanneuse décrite par le voisin de Del Fierro. Les enquêteurs retournèrent chez Del Fierro pour demander à sa colocataire si elle connaissait Aristotle Moore. Celle-ci leur apprit que Del Fierro et Moore étaient des amis d'enfance. Ce nom avait été évoqué à deux reprises de deux sources différentes au cours de notre enquête. On a donc décidé de nous concentrer sur cet Aristotle Marr et d'en faire notre suspect. Les autorités vérifièrent le dossier judiciaire de Marr. Il n'y avait qu'une inculpation pour un assaut alors qu'il était encore mineur. Les dossiers du fisc indiquaient que Marr possédait une entreprise de remorquage prospère et une propriété évaluée à 400 000 $. Les agents furent surpris d'apprendre qu'il s'était illustré en tant qu'athlète pendant ses études secondaires. Il avait terminé ses études 6 ans plus tôt et s'était mérité d'excellentes notes. Tous s'entendaient pour dire qu'il était très intelligent. On pouvait voir qu'il avait un énorme potentiel, mais il était pressé. Je crois que c'est cette impatience et cette ambition qui l'ont entraîné à commettre ces crimes. Steve Fogg obtint les relevés des portables de Marr et de Del Fierro. Il découvrit alors que les deux hommes s'étaient parlé à plusieurs reprises peu avant le hold-up. C'était là une preuve indirecte qu'ils planifiaient leur crime. Daniel Del Fierro et Aristotle Moore pouvaient se parler jusqu'à 10 fois par heure dans les semaines et les jours avant le vol. Les policiers demandèrent ensuite à des témoins de confirmer l'identité de Moore en mettant sa photo parmi d'autres photos d'identification. En général, on montre les photos de 6 types et celle de notre suspect en fait partie. Mais dans ce cas-ci, on a montré les photos de 12 individus. On voulait être sûr qu'on tenait le bon type. Les autorités montrèrent les photos à la femme qui avait été attaquée chez elle et gardée captive. Elle n'a pas hésité une seconde. Elle a reconnu Marr immédiatement. Plus tard, le mari et l'homme à qui le voleur avait voulu voler sa voiture identifièrent aussi Marr comme étant leur assaillant. En tenant compte de tous ces éléments et des preuves indirectes, nous étions presque sûrs qu'Aristotle Marr était notre homme. Les autorités obtinrent le mandat d'arrêt de Marr et un mandat de perquisition de sa maison. Connaissant le tempérament de Marr, les policiers se préparaient à une confrontation violente. Le 22 juin 2000, 2 présumés voleurs de banque en série s'en étaient pris à une autre banque de Seattle. Lors d'un échange de coups de feu, la police avait abattu l'un d'eux. L'autre voleur avait pris la fuite. La victime était Daniel Del Fierro. Les autorités croyaient que le fugitif était Aristotle Moore. Craignant un affrontement lors de son arrestation,
Les policiers firent appel à l'aide d'une unité tactique. L'équipe était accompagnée des enquêteurs Paul Suguro et David Ritter de la section des homicides. On est allé chez lui accompagné d'une unité SWAT et de plusieurs agents de police de Seattle. Ceux-ci nous ont aidés à protéger les lieux. Pièce par pièce, les membres de l'unité SWAT fouillèrent la maison. Il n'y avait aucune trace de mort. L'enquêteur Paul Suguro. Après s'être assuré qu'on ne courait aucun danger, l'équipe des homicides et moi-même avons commencé à fouiller la maison. Ils étaient à la recherche du moindre indice de l'implication de Marge dans le vol ou de l'endroit où il pouvait se trouver. Dans un espace de rangement secret, ils trouvèrent une partie de son arsenal. Les enquêteurs trouvèrent des étuis de pistolet. Ils trouvèrent également quelques armes à feu, même si la plupart des étuis étaient vides. Il y avait diverses sortes de munitions pour des armes d'épaule, des fusils de chasse et des pistolets. Les enquêteurs examinèrent soigneusement les munitions et y relevèrent un indice important. On a trouvé des munitions qui correspondaient aux projectiles trouvés sur la scène du hold-up. Les autorités trouvèrent alors une autre piste. Des documents qui montraient que Marr et certains de ses contacts se rendaient régulièrement en Jamaïque. Et il y avait aussi de petites photos et des modèles de documents, sans doute pour fabriquer de fausses cartes d'identité. Les enquêteurs soupçonnaient Marr d'avoir prévu quitter le pays sous un nom d'emprunt. Au cours des recherches, les agents s'aperçurent qu'il y avait une autre maison sur le terrain de Marr. Ils s'empressèrent de demander un mandat de perquisition et surveillèrent les lieux le temps que le document soit émis. Pendant une semaine, ils virent des gens y entrer et en sortir, mais il n'y avait aucune trace du suspect. Après qu'un juge eut enfin signé le mandat, une unité SWAT entra dans la maison. Ce que les membres de l'unité y trouvèrent allait apporter un tout nouvel éclairage à l'enquête. Le bâtiment en question servait d'entrepôt à des marchandises volées. On a trouvé plusieurs appareils flambant neufs dans leur boîte d'origine. Il y avait des tondeuses, des réfrigérateurs, de nombreux téléphones portables, toutes sortes d'articles encore intacts et toujours dans leur boîte d'origine. Les enquêteurs constatèrent également que les biens étaient identifiés avec des bordereaux de marchandises indiquant qu'ils provenaient de centres de rénovation de la région. Il était évident que les activités criminelles d'Aristotle Marr ne se limitaient pas au vol de banque. Ces biens étaient de dimensions importantes. Il y avait des électroménagers, des palettes de fenêtres, de gros objets. Ce n'est pas le genre de truc qu'on peut voler à l'étalage. On avait dû déployer beaucoup d'efforts pour obtenir ces marchandises. Il était évident qu'on aurait besoin de l'aide de nos experts en cambriolage. Ces derniers se sont occupés de l'identification de ces biens. La section des enquêtes sur les cambriolages travailla de concert avec les commerçants de la région pour identifier des biens volés d'une valeur estimée à plus de 100 000 $. Ils nous ont fourni un gros camion. Tous les biens qu'on a identifiés comme étant volés ont été mis à bord de ce véhicule et transportés. Les enquêteurs soupçonnaient Marr d'avoir eu de l'aide pour obtenir et vendre cette marchandise. On croyait que plusieurs biens avaient été envoyés en Jamaïque. On avait trouvé des reçus de livraison qui indiquaient que de nombreux objets ménagers avaient été exportés en Jamaïque. Les autorités intensifièrent leurs recherches pour trouver le présumé chef de bande Aristotle Marr. C'est le groupe d'action à la recherche du fugitif qui prit le relais à partir de là.
Voici l'agent spécial Gary Schoenlein. On a commencé à la base, en contactant la famille et les proches du suspect. On espérait que quelqu'un pourrait nous fournir des informations qui nous permettraient de l'arrêter sans problème. Mais toutes les personnes interrogées déclarèrent ignorer où se trouvait Moore. Quelques semaines plus tard, la traque finit par avoir un effet sur le suspect. Un groupe de sympathisants, incluant son avocat, tint une conférence de presse pour clamer son innocence. On déclara que la police l'avait accusé à tort à cause de ses liens avec Daniel Del Fiero. Les agents tentèrent d'obtenir de ses avocats que le suspect se rende, mais ils obtinrent alors une réponse étonnante de leur part. On a tenté de les convaincre qu'ils se rendent de façon sécuritaire dans un environnement contrôlé. Mais ils ont alors répliqué qu'ils craignaient de se faire tuer par la police. Moore était toujours en cavale. Le FBI décida de tenter une nouvelle approche. Les agents contactèrent les producteurs d'une émission de télévision sur les crimes pour offrir aux téléspectateurs une récompense de $25,000 en échange de toute information permettant l'arrestation de Moore. Les informations alors se mirent à affluer. Quelqu'un affirma avoir été en contact avec Moore par le biais d'un site de messagerie électronique. Les agents demandèrent aux fournisseurs de services Internet de leur donner accès au compte de messagerie du suspect et de leur remettre les transcriptions de ces échanges. À en juger par les échanges sur ce site de messagerie, il était plausible de croire que l'un des usagers était Aristotle Moore. Le fournisseur Internet fournit l'adresse de l'usager en question. Nous nous sommes rendus sur place, croyant que Moore y était peut-être à ce moment-là. Un mandat de perquisition en main, les policiers rencontrèrent un des amis de Moore. Celui-ci déclara que Moore n'était pas là. Les agents menèrent des recherches exhaustives sur place en espérant trouver un indice de la présence du fugitif dans l'appartement. Mais ils ne trouvèrent rien. Ils confisquèrent l'ordinateur. Ils découvriraient par la suite que Moore n'avait sans doute jamais utilisé cet appareil, que c'était en fait son ami qui se faisait passer pour lui sur le site de messagerie. Cette dernière piste menait à une impasse. Ces recherches ne nous ont pas permis d'en savoir plus sur l'endroit où Aristotle se trouvait. Le FBI poursuivit la surveillance des maisons des proches de Moore, mais ils ne tardèrent pas à comprendre que celui-ci ne reviendrait sans doute jamais. Contrairement aux voleurs de banque habituels, Aristotle Moore avait beaucoup d'argent. Il possédait des biens immobiliers, il louait une maison. Je suis persuadé que ses atouts et ses moyens financiers l'aidaient à se cacher des autorités. Un informateur appela alors le FBI pour dire aux agents ce qu'il redoutait le plus d'entendre. Une de nos sources confidentielles nous a révélé qu'il était parti sous un faux nom, mais pas seulement dans un autre état. Notre source croyait qu'il était parti en Jamaïque. Si Moore avait bel et bien quitté le pays sous un nom d'emprunt, on pourrait bien ne jamais le retrouver. Le FBI était maintenant confronté à son obstacle le plus important jusqu'ici, dans une affaire qui semblait impossible à résoudre. Le FBI était toujours à la poursuite du présumé braqueur de banque Aristotle Moore. Les agents le soupçonnaient de s'être enfui en Jamaïque sous un nom d'emprunt. Malheureusement, le FBI n'avait pas l'autorité de poursuivre les recherches dans ce pays, comme nous l'explique Gary Schoenlein. Nous n'avons aucun droit d'intervenir à l'extérieur des États-Unis. Ce sont donc des agents de liaison du FBI en Jamaïque qui s'occuperaient d'approcher les autorités jamaïcaines. Je leur ai fourni toutes les informations dont je disposais, comme des noms ou des points de contact, des endroits où l'on pourrait peut-être trouver Moore en Jamaïque. Mais enquêter sur Moore en Jamaïque n'était pas facile. Il avait de multiples relations dans l'île et il disposait de beaucoup d'argent pour se rendre quasi invisible.
Nous pensions que grâce à ces ressources, il n'aurait aucun mal à faire le moins de vagues possible ni à se cacher. Des informateurs signalèrent avoir aperçu le fugitif à quelques reprises, mais celui-ci échappait constamment aux autorités. Les agents croyaient qu'il se déplaçait de maison en maison à la tombée de la nuit, protégé par un groupe de complices loyaux. Suivant toutes les pistes fournies par les agents américains, les autorités jamaïcaines poursuivaient le fugitif sans relâche. Elles contactèrent tous les complices connus de Marr. Mais ceux-ci refusaient de collaborer. Les autorités les gardèrent sous surveillance. Les policiers américains de l'ambassade les surveillaient et ils leur ont fait comprendre qu'ils ne partiraient que lorsque Marr ferait face aux accusations qui pesaient contre lui. À Seattle, Steve Fogg, le procureur du comté de King County, décida d'inculper le fugitif de plusieurs chefs d'accusation en se basant sur les nombreuses preuves indirectes accumulées contre lui jusque-là. Marr a fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation qui décrivaient bien toute la série de crimes dont on le soupçonnait. On l'a accusé de vol à main armée car il était armé au moment du crime. On l'a accusé d'avoir été le complice de Daniel Del Fierro et d'avoir tiré sur l'agent Buxton. On l'a également accusé de tentative de vol de voiture lors de sa cavale. Et enfin, on l'a accusé d'enlèvement parce qu'il avait effectivement tenu en otage des gens dans leur sous-sol. Steve Fogg soupçonnait également Marr d'être mêlé à un réseau international de vol de marchandises, mais il décida de ne pas porter d'accusation pour ce crime. Marr était déjà passible d'une peine d'emprisonnement très longue et cette accusation n'aurait pas pesé bien lourd, tout au plus 1 ou 2 ans pour un type qui serait condamné à 30, 40 ou 50 ans de prison. On a donc décidé de laisser tomber ce chef d'accusation. Les autorités intensifièrent leurs recherches pour trouver Marr, l'enquêteur David Ritter de la section des homicides à Seattle. On a continué d'exercer de la pression. Ils ne pouvaient ignorer notre présence. Ils se sont plaints à plusieurs reprises du fait qu'on les harcelait, mais ce n'était pas le cas. On menait une enquête sur un crime très violent et on voulait la résoudre. On souhaitait le mettre derrière les barreaux. Je crois que cette situation a fini par être difficile à supporter pour lui. Ça ne lui plaisait plus beaucoup. Après 7 mois, la pression constante exercée par les policiers finit par porter fruit. Le 7 février 2001, Aristotle Marr prit les policiers de cour en arrivant à la prison de King County avec son avocate. L'enquêteur Paul Soguro de la police de Seattle était aux trousses de Marr depuis le début. Sergeant Christopher, this is Tebow down at the watch desk. Aristotle Marr just turned himself in. J'ai été surpris d'apprendre qu'Aristotle Marr s'était rendu de lui-même. On a essayé de l'interroger à propos des vols et de l'endroit où il s'était caché. Mais il a refusé de parler des divers aspects de l'enquête avec nous. Les autorités croyaient que Marr était revenu pour 2 raisons. Pour enlever de la pression sur les épaules de ses complices et parce qu'il croyait que les accusations ne valaient rien. Il était confiant. On pouvait même dire qu'il avait l'insolence de croire qu'il remporterait la partie devant les tribunaux. Dans son esprit, il revenait pour gagner et ainsi faire d'une pierre 2 coups. Lors de sa mise en accusation, Marr plaida non coupable à tous les chefs d'inculpation portés contre lui. En ayant pris la fuite, Marr s'était donné des atouts. Il pouvait regarder comment nous présenterions l'affaire et préparer des explications pour tous les indices. Ce procès ne serait pas facile. Les avocats de Marr savaient que les experts avaient relevé les empreintes digitales de leurs clients sur les objets laissés devant la banque, notamment le casque de moto et une paire de gants. Ils les justifièrent en déclarant que Marr avait prêté ses articles à Danny Del Fierro, le suspect abattu lors de la fusillade. Mais Marr ignorait toutefois qu'il avait laissé une trace de sang derrière lui. Il nous fallait maintenant absolument obtenir un échantillon de son sang. Je savais que la partie serait gagnée si l'on pouvait exploiter le filon de l'ADN des traces de sang. Un juge ordonna à Marr de donner un échantillon de son sang.
Les experts en génétique le comparèrent ensuite au sang trouvé dans l'immeuble résidentiel, à celui trouvé dans la maison du couple retenu en otage et dans leur camionnette. Les résultats furent concluants. À ce moment-là, toutes nos inquiétudes à propos de l'issue de l'affaire se sont dissipées. Il était maintenant évident que tous ces indices, mis ensemble, constituaient une preuve solide. Marr décida alors de plaider coupable pour ne pas avoir à subir un procès devant jury. Il fut condamné à 23 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. L'agent de police Wesley Buxton, blessé lors de sa confrontation avec Marr et Del Fierro, fut soulagé d'apprendre que Marr paierait enfin pour son crime. Comme bien des policiers sans doute, je suis de ceux qui pensent que les criminels devraient écoper de peines beaucoup plus sévères que ce que la justice prévoit. Mais je suis somme toute assez satisfait de la peine qu'on lui a imposée. L'agent spécial Mike Adams. Compte tenu du nombre élevé de vols de banque chaque année, et il y en a plus de 300 ici dans l'État de Washington, il est rassurant de penser qu'on a réussi à apporter, ou du moins aider à apporter, une conclusion heureuse à cette enquête pour un vol d'une telle violence. C'est grâce aux efforts combinés du service de police de Seattle et du FBI qu'on a enfin pu mettre un terme à la carrière criminelle d'Aristotle Marr.